Bonsoir, bonsoir mes amis. Alors, il faut juste que je redémarre l'application. Hop. Voilà, bon, vous verrez pas grand-chose pour l'instant. Tac, c'est bon, on est tout prêt. Ouais, ça c'est bon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue à la Coupe des Quatre Maisons. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Benoît, bonsoir David, le Antoine, Romain, Arnaud, Monsieur Charlie, bonsoir à toi. Bienvenue, bienvenue à tous pour cette nouvelle année. J'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous avez bien mangé, j'espère que vous avez passé un bon week-end et qu'on va passer une bonne soirée tous ensemble. Donc alors. Premier point tout de suite, pas de suspense. Vous voyez que j'ai pas encore changé la caméra. La raison étant que j'ai reçu la carte SD de la caméra, mais je n'ai pas encore reçu le câble qui relie la caméra au PC. Je pensais la recevoir en même temps, mais non. Donc elle devrait arriver dans la semaine, j'imagine. Ça vient de Grande-Bretagne, donc ça devrait pas trop tarder normalement. Ce sera notre fameux câble magique. Mais bon, pour cette première partie, ça devrait aller, puisqu'on va surtout faire de l'aérographe et tout. Il n'y a pas besoin d'une résolution de malade, donc ça devrait le faire. Voilà, donc aujourd'hui, donc fleur de la cour, qui est juste ici, hein, qu'on a monté. Je vous ai mis les photos sur Tipeee, sur Facebook, un peu partout, histoire que vous puissiez voir. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, c'est. Ah oui, il faut que je fasse ça en fait. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez. Voilà, j'avais pas réactivé le truc, c'est pour ça. Donc vous inquiétez pas avec les lumières, hein, je les remettrai correctement juste après. T'es encore en train de faire à manger? Bah, bon appétit à toi, Antoine. Bon appétit. Alors, donc on va faire de l'aérographe. Et avant de faire de l'aérographe, on va démonter l'aérographe ensemble. On va le nettoyer. Donc j'ai laissé tout sale. Je ne l'ai pas nettoyé exprès pour qu'on fasse ça ensemble. Parce que simplement un aérographe, ça peut être un peu intimidant au départ. Et puis j'avais dit que je ferais tout depuis le départ jusqu'à la fin. Donc le nettoyage, le démontage de l'aérographe, on va voir ça ensemble. Donc on va y aller. Tac, je vais décaler ma petite lumière, donc vous me verrez moins, mais ça c'est pas très grave. Au moins vous verrez mieux ce qui se passe, donc je vais juste. Voilà, on va faire ça, vous verrez mieux. Donc on va commencer par démonter cet appareil de torture ou cette baguette magique ensemble. Donc c'est un aérographe de chez Evolution. Globalement, la plupart des aérographes se démontent tous à peu près de la même manière. C'est-à-dire que c'est toujours par l'arrière, donc des fois vous avez des trucs en plus pour régler la gâchette et tout. Moi, c'est pas le cas parce que j'en ai pas besoin. Et on va commencer par enlever l'arrière qui nous permet, vous voyez, j'attaque direct, hein, qui nous permet d'accéder donc à l'aiguille. Donc ici, vous avez une vis de serrage qu'il faut desserrer. Alors, je la serre toujours comme un gros bourrin. On va commencer par enlever la vis de serrage ici, donc c'est ce qui va permettre de pouvoir libérer l'aiguille de son support. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est regarder dans le trou qui est ici, vous voyez, l'espèce de trou où on met la peinture, et on va tirer l'aiguille de sorte à voir la pointe de l'aiguille, vous voyez, elle bouge, je sais pas si vous voyez bien, donc je veux voir la pointe de l'aiguille ici. Pourquoi? Parce que là, elle est en sécurité, c'est-à-dire qu'elle touche rien, mon aiguille, elle est dans le vide, donc je peux toucher l'aérographe, etc. Elle ne se cassera pas parce qu'elle est bien maintenue, elle tient toute seule. Et à partir de là, je peux démonter l'avant. Alors je dois le faire dans cet ordre-là parce que si je démonte l'avant et que je tire comme ça, pour certaines tailles d'aiguilles les plus fines, bah juste faire cette manip-là, si je fais pas attention, je peux casser l'aiguille. Donc là, toujours prendre l'habitude de faire la manip comme ça. Je pose ça à côté, on y reviendra juste après. Et une fois que c'est fait, cette fois-ci, je vais pousser mon aiguille, paf! Et je vais la récupérer par l'avant. Alors moi je vais galérer parce qu'il est vraiment très encrassé. Au pire des cas, s'il s'enlève pas bien, je vais tirer sur l'arrière. Voilà, c'est bon. Et je l'enlève par l'avant, évidemment. Pourquoi par l'avant? Parce que ça m'évite, quand je tire en arrière, l'aiguille peut venir à la fin taper sur des trucs et à nouveau se casser, vous voyez, sur la partie qui est là. Alors que là, si je pousse en appuyant comme ça, l'aiguille naturellement sort toute droite, et puis j'ai plus qu'à attraper un peu plus loin pour tirer sur mon aiguille. Donc je mets mon aiguille en sécurité. Donc
Le mieux, c'est toujours sur un support bien stable et vous faites sortir un petit l'extrémité par laquelle vous pouvez attraper. Vous la laissez à l'extérieur, comme ça, vous pouvez l'attraper facilement. Parce que si vous la mettez bien à plat, vous allez galérer pour la récupérer, vous allez avoir la bouger, etc. Encore une fois, des fois, l'aiguille peut être très 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 fine pour les tailles les plus modestes. Donc il faut prendre l'habitude dès le départ, même avec des aiguilles plus grosses, de bien manipuler. Salut Tony, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Donc, cette partie-là, je peux la démonter. C'est simplement le godet à peinture. Donc, des fois, il y en a des gros, des fois, il y en a des petits. Des fois, il ne se démonte même pas. Il est soudé directement. Ici, l'arrière, donc, c'est le cul de mon aérographe, dans laquelle j'ai le système de serrage, en fait, de l'aéro, avec le ressort, etc. Ici, c'est ma gâchette que je retire. Boum. Ça se retire. Il y a le petit ressort ici, donc il y a le truc de serrage. Des fois, quand vraiment vous faites des conneries, il peut y avoir de la peinture jusque dedans, mais bon, c'est quand même relativement rare. Donc en général, il n'y a pas trop besoin de nettoyer cette dernière partie ici. Donc les parties qui sont ici, celles-là, c'est pas trop la peine de les nettoyer. Ça, de temps en temps, ça peut arriver si vous avez une remontée d'air ou un truc comme ça, mais c'est pareil, c'est relativement rare. Ça, c'est pareil, pas la peine. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de nettoyer toutes les parties en contact avec de la peinture, donc celle-là, l'aiguille. Et ici, donc, vous avez la dernière partie, vous avez la tête d'adaptation et vous avez la petite buse. Donc là, la buse qui correspond à la taille de l'aiguille. Les têtes d'adaptation, elles, parfois peuvent varier. Ça peut être pour plusieurs tailles d'aiguille ou pas. Ça dépend les marques, les gammes et tout ça. Voilà, donc on va nettoyer tout ça. Une fois que c'est démonté, est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ce démontage, les amis? Le temps que vous posiez vos questions, je vais aller remplir mon petit godet avec de l'eau et un peu de savon à l'intérieur pour pouvoir nettoyer ça. Et je reviens. Je vais juste prendre de quoi mélanger mon petit savon. Voilà, bien mélangé. Alors évidemment, donc moi je nettoie en fait à l'eau très chaude et au savon. Simplement parce que bah, quand vous voulez nettoyer vos doigts avec de la peinture, vous utilisez du savon et de l'eau chaude et ça s'enlève très bien. Donc sur l'aérographe, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison. Et jusque-là, ça marche très bien. Donc, savon et eau chaude. Tout ce qui est alcool et produits un peu acides ou basiques, etc., c'est à éviter parce que ça va attaquer les joints de votre aérographe. Donc, l'aiguille, vous avez vu, je la mets tête en haut, hein, jamais tête en bas, évidemment. Tu sortais l'aiguille par derrière. Eh bien, c'est un risque, Antoine. Ça se fait, mais c'est un risque parce que tu as ton aiguille si jamais, je sais pas, tu fais un mouvement un peu trop brusque. Tu peux plier ton aiguille à la sortie de ton aéro si tu le fais dans l'autre sens. Tu changes souvent les joints de l'étoupe. Depuis que je l'ai fait, j'ai l'impression que j'ai la peinture qui sèche vers l'arrière. Alors, je n'ai jamais changé les joints de l'étoupe. J'en ai pas eu besoin jusqu'à présent. Ça fait 2 ans que je l'ai, l'aérographe. Peut-être un de ces quatre. Et bah, si tu as des soucis vis-à-vis de l'étanchéité, parce que ça doit être un problème d'étanchéité. Prends le temps de bien le monter, démonter, parce que des fois c'est simplement un petit rodage qui doit être fait. Et ce que tu peux utiliser, c'est... Alors attends que je sorte ça. Je sorte ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Alors je cherche parce que je m'en sers quand même pas très souvent de ce truc. Alors j'en ai un premier qui est là. Ça, c'est le premier. Peut-être là-dedans, il y a un produit pour ça.
que j'aurais voulu te montrer, mais je m'en sers vraiment pas souvent. Alors, où est-ce qu'il est? C'est la bonne question. Eh bien, je t'en prie, Antoine, avec plaisir, hein, c'est là pour ça. Même vous, vous avez peut-être des conseils à me donner, hein, parce qu'on a tous un peu nos petits tricks perso de l'aérographe. C'est un outil assez sympa, parce que il y a pas mal de petites techniques à connaître, des petits trucs, voilà, c'est des outils d'utilisation, un peu comme un ordinateur, j'ai envie de te dire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petits conseils. Je suis en train de chercher, mais j'ai pas l'air de trouver... C'est barré vraiment dans le fond. Non, je n'ai pas l'air de le voir. Hein. Il est peut-être resté dans un de mes cartons. Puis évidemment, ça se range pas. Ça se range pas bien. C'est dommage. Non, je l'ai pas. Bon, tant pis. Alors en gros, Arnaud, tu as un... Alors c'est... je vais vous présenter pas mal de produits. Je ne suis pas sponsorisé, sauf par monsieur Arnaud, donc le logo que vous avez pu voir sur la miniature, qui est le Sock Store. Mais le reste, je ne suis pas sponsorisé. Hein, donc je vous parle de produits que j'aime bien. Donc ça, c'est Tamiya qui fait ça. Il fait un pack en fait avec, avec deux objets. Vous avez ça, donc qui est du lubrifiant pour aérographe. Ça peut être utile parce que parfois votre gâchette se raye, donc elle peut avoir du mal à passer, elle peut être un petit peu abîmée, donc ça permet d'avoir une plus grande souplesse forcément quand vous utilisez vos pièces d'aérographe. Et l'autre truc, c'est un... ça s'appelle Nozzle Sealant. En gros, c'est une pâte que vous allez mettre un peu partout où il y a du contact des joints. Ça à la fois prend soin de vos joints et en fait ça réduit l'échappement d'air en fait dans votre aérographe. Donc c'est un produit que tu peux utiliser peut-être, Arnaud, pour ça, parce que bah, de temps en temps, quand ton produit, notamment tes joints, ils sont pas rodés, ils sont un peu trop neufs, ils peuvent avoir du mal à tout filtrer, ou au contraire, ils peuvent peut-être déborder un petit peu, et en fait, le produit, donc c'est une pâte rouge, hein, ça se présente comme une pâte rouge que tu mets avec le cure-dent, ça permet justement de roder tes joints, donc ça peut être peut-être la solution pour toi. Voilà. Donc j'ai laissé reposer toutes mes pièces en fait dans le godet, hein, à l'eau chaude, le temps que la peinture se ramollisse un petit peu. Donc l'aiguille, c'est une aiguille de 0,3, donc je peux vraiment la manipuler sans grande précaution. Donc en fait, je vais juste la frotter comme ça, tranquillement. Je la fais tourner pour bien regarder que tout est bien propre, tout est nickel. Celle-ci va relativement vite. Alors, pour nettoyer la pointe... En gros, alors là, j'ai pas besoin d'être très précautionneux, mais pour une petite pointe, ce que je fais, c'est que tu sécurises ta pointe en la plaçant bien contre ta peau. Comme ça, tu peux frotter avec ton ongle sans risquer de casser quoi que ce soit, puisqu'elle est bien appuyée sur ton doigt. D'accord ? Donc c'est un peu toute l'idée. Tu vas délicatement, comme ceci, et t'enlèves tout ce qui gêne. Puis ensuite, t'as plus qu'à vérifier, en fait, en passant avec ton doigt, si tu sens pas de peinture ou de régularité dans le truc. Là, c'est nickel, c'est tout bon, on peut y aller. Ça, c'est cool, car je ne coupe pas le compresseur, il se recharge à certains moments, donc du coup, c'est que ça fuit. Merci. Alors, pas toujours, Arnaud, des fois, ça peut être aussi dû au changement de pression de ta pièce, notamment si, par exemple, il va y avoir un orage ou un truc comme ça. De temps en temps, en fait, ton manomètre peut s'affoler, dire « Ah, il y a un changement de pression ». Parce qu'en fait, bah, l'air dans ta cuve, pour lui, il n'est plus à 100%. De temps en temps, ça peut arriver pour ça. Aussi. Ou il peut y avoir aussi des fuites sur ton compresseur. Donc là, pour la partie extérieure, petite brosse à dents. Et donc, on y va comme un bourrin. Voilà. Donc évidemment, le mieux, c'est poil souple. Histoire de pas trop abîmer. Alors, poil dur s'il n'y a pas de joint ou quoi que ce soit. Et moi, comme je l'utilise sur les joints et tout, plutôt poil souple dans l'idéal. Pour, encore une fois, pas trop abîmer les joints. Bon, après, les joints, ça change. Hein. C'est pas non plus dramatique. Mais bon, plus vous en prenez soin, plus il va vous le rendre, votre aérographe. Donc, on lui fait une belle beauté, comme ça. Donc, la brosse à dents, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai ce truc à goupillons. Donc, ils sont un peu gros. À la base, c'est pas pour l'aérographe, mais pour l'instant, ça me va. J'en ai commandé des autres parce que j'en ai perdu un, justement, chez l'ami Arnaud. Donc, je commence par le plus petit.
Et puis bon voilà, c'est pas, il n'y a pas besoin d'être voilà, de bac plus 10 pour comprendre, hein, vous voyez, on retire toutes les merdes qu'il y a dedans. Donc moi là il y en a vraiment beaucoup parce que j'ai fait de la sous-couche à l'aérographe, et la sous-couche aérographe c'est vraiment le truc, c'est des peintures primer, donc c'est assez épais, donc ça encrasse très vite l'aérographe parce que les pigments sont épais, donc forcément ça bouge très vite, et puis ça adhère, le but c'est que ça adhère bien, que ça fasse une sous-couche solide, donc du coup ça s'accroche très vite en fait sur l'aéro. Donc toujours quand vous faites de la sous-couche, techniquement, juste après, si vous voulez faire autre chose, il faut le nettoyer, quoi. Bon, je le fais pas toujours, hein, ça dépend des fois, mais dans l'idéal, c'est quand même ce qu'il faut faire. Donc là, j'hésite pas, je commence déjà à passer à l'extérieur. Là, je suis pas un grand, comment dire, fétichiste, dans le sens où je vais pas passer des heures à tout briquer pour que ça brille et tout. Parce que bon, l'aérograph, je m'en sers tous les jours, donc vous imaginez bien que j'ai autre chose à faire que passer une heure à le nettoyer. Donc je vais surtout nettoyer les zones les plus importantes, celles qui vont accueillir de la peinture. Voilà, sur le tour. Alors vous voyez, à l'intérieur ici de la chambre, je fais rentrer mon goupillon et je tourne. Voilà, pareillement ici, je fais rentrer à l'intérieur, je tourne pour nettoyer éventuellement. Vous voyez, il y a toutes les pas de vis ici. Régulièrement, faut rincer tout ça. C'est surtout la polyuréthane qui fait une couche vraiment relou. Quid des sous-couches méca de Valero? A priori, pas de polyuréthane. Écoute, ça, je ne sais pas, parce que j'utilise pas les sous-couches métalliques. Je t'avoue que c'est pas trop mon délire. Moi, je sous-couche quasiment tout le temps en noir. Et éventuellement, je viens faire un zénithal de blanc par-dessus. Donc, je ne saurais te dire, Antoine. Surtout le polyuréthane. Tu as sûrement raison, Julien, parce que j'utilise les primers polyuréthane. Donc il y a peut-être des primers non polyuréthane qui posent pas de problème. Moi, en l'occurrence, effectivement, c'est les polyuréthanes. Donc peut-être que toi, tu as des références de sous-couche qui bougent pas trop l'aérographe. Je ne sais pas. Donc là, vous voyez, c'est bon. Je passe pas des heures à vous expliquer tout ça. Le nettoyage, hein, c'est des goupilles. Vous le faites passer dans les trucs, vous tournez, vous inclinez, vous voilà, c'est Space Mountain, hein, vous faites la totale. Voilà. Donc à la fin, je regarde bien si ça passe ou pas. J'essaie de sentir, vous voyez, en gros, là, mettons, c'est le bord, à l'intérieur, c'est le conduit où passe mon aiguille. J'essaie de l'incliner un petit peu pour vraiment râper, vous voyez, histoire de voir si je sens un truc qui gênerait ou quoi, un peu quelque part. Mais là, je vois que ça passe, mais comme dans du beurre, hein, c'est vraiment nickel. Vous voyez, de toute façon, le test est simple, hein, tu laisses tomber ton aiguille, hop, voilà, ça tombe tout seul, c'est que c'est nickel. Alors, j'ai jamais essayé, mais la Premium Valero est plutôt sympa, celle de Ming Wetshot est top. C'est du blanc, pas du métallique. Il voulait dire méca pour Gundam, etc., pas métallique. Alors, je sais toujours pas. J'avoue, je connais toujours pas. J'ai pas testé. Donc, je ne saurais pas vous dire. J'utilise un peu toujours les mêmes trucs jusque-là, parce que ça marche très bien. Donc, j'ai pas de raison d'essayer autre chose. Et en plus, si c'est du blanc, j'utilise pas beaucoup de variantes de blanc différentes. Voilà, donc ça c'est nettoyé. C'est la partie la plus simple. La partie la plus compliquée, c'est. Alors non, on n'y arrive pas encore. Ça c'est la. Ça c'est le. Oh, je trouve plus mes mots, mais vous avez compris. Donc là, j'utilise carrément un truc en plastique. Ou éventuellement un cure-dent, c'est pour pouvoir y aller comme un bourrin et pas rayer mon truc, pas l'abîmer, puisque bon, bah, le plastique est assez plus fragile que le métal, donc au moins je suis sûr de pas abîmer mon truc. Donc c'est là, hein, vous aurez le plus de dépôts de peinture, évidemment. Donc là j'y vais comme un gros bulle. Voilà, alors à l'intérieur c'est pareil, tu prends ton truc plastoc. Donc ça c'est des outils que voilà, j'ai trouvé dans la vie de tous les jours. Hein. Voilà, il y a des fois tu tombes sur des trucs. Ça je sais même plus qui c'est qui m'a rapporté ça. C'est peut-être ma mère qui m'a rapporté ce truc-là. C'est peut-être de son cabinet, parce qu'elle travaille dans un cabinet dentiste. Donc
Ça vient peut-être de là-bas, je ne sais plus. On a tous des objets comme ça un peu bizarres et on ne sait plus d'où ça vient. Alors, bonsoir Thierry. Perso, je suis au primer scale, maths, mais polyuréthane également. Et bah comme ça, tu vois, on aura le même problème. Le godet. Ah oui, le godet, tout à fait, Romain. Merci. J'en perds mon vocabulaire. Voilà, donc j'essaie de virer le maximum. Là, en fait, quand vous faites ça, faut essayer de tout virer, en tout cas le plus possible, parce que c'est le genre de truc qui peut se retrouver dans votre aéro après et le boucher. Et du coup, c'est chiant parce que soit vous le faites sortir par l'avant, soit vous devez démonter votre aéro. Donc, il faut évidemment éviter de garder toutes ces saletés. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est après une bonne session d'aérographe, hein, c'est après une journée complète que ça se cumule comme ça sur le godet. Parce que pour ceux qui n'auraient jamais testé, ils peuvent se dire, oh là là, mais il y a plein de trucs à nettoyer, c'est horrible. Mais bon, ça là, c'est une grosse session d'aérographe, toute une journée de travail dessus, et puis là, on en est là, quoi. C'est pas dès la première utilisation. Et donc là, on arrive effectivement à la partie un peu plus intéressante. Donc ça, c'est la tête qui va être assez simple à nettoyer. Le plus difficile à nettoyer, c'est la buse. Parce qu'en général, on a peur de l'abîmer, à juste titre. C'est une pièce qui coûte cher. Donc là, en fait, vous voyez, je la cale contre mon doigt. Et en fait, avec ma brosse à dents, je peux y aller. Parce qu'elle est calée contre mon doigt. Donc mon doigt arrête, éventuellement la brosse à dents. Donc je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà, ça mousse beaucoup, hein. Normal. Éventuellement, j'utilise mon ongle si je vois que ça s'en va pas. Bon, c'est du nettoyage, hein. Si vous avez déjà fait la vaisselle dans votre vie, normalement, ça devrait aller. Après, vous êtes peut-être toujours à la vaisselle, mais... Voilà, donc là c'est vraiment du fignolage, c'est des parties qui sont pas nécessaires à nettoyer, mais je le fais quand même, parce que de temps en temps c'est bien aussi d'avoir un truc pas trop sale, pas trop moche. Ça fait plaisir d'avoir du matos qui brille un peu. Même si au bout d'un moment il ne braillera plus, parce qu'avec l'usure, les rayures, etc., ça brille plus trop. Voilà, donc la partie qui vous intéresse à nettoyer, évidemment, c'est l'intérieur. L'intérieur de la buse. Parce que vous pouvez voir, désolé, le focus se fait pas, mais c'est pas grave, c'est que c'est extrêmement fin à l'intérieur, hein, puisque la peinture va rentrer par cette buse. Vous voyez, c'est pour ceux qui ne connaissent pas un aérographe, il y a un trou ici, en fait l'aiguille vient se loger à l'intérieur, en fait. Comme ceci, elle ressort. Et donc en fait, c'est le fait de la tirer avec la gâchette qui fait que ça envoie plus ou moins de peinture, c'est plus ou moins ouvert. Donc toute la merde passe par ça. Et donc ça, faut le nettoyer parce qu'il y a de la merde qui se cumule dedans. Et pour le nettoyer, il n'y a pas 36 solutions. Moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser l'aiguille. Donc vous voyez, je me mets dans une position sécure. Vous voyez, je mets mes doigts en bas, là, les trois doigts ici, là, les uns contre les autres, pour être bien stable. J'ai mes deux poignets qui reposent sur la table. Donc là, je peux durer comme ça pendant des heures, hein, il n'y a pas de problème. C'est une position, presque de yoga. Et en fait, bah, je vais pousser. Je sens que on a les sensations, hein, que c'est un peu mou à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu caoutchouteux. Donc ça veut dire qu'il y a des merdes à l'intérieur. Et en fait, par la 03, je vais pouvoir comme ça pousser tranquillement mes pigments, sans forcer. Voilà, j'y vais tranquille, tranquille, tranquille. Je pousse, je pousse. Et ça va finir par sortir d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est le moment où il faut vraiment être très patient, parce qu'il ne faut pas forcer. Il faut vraiment y aller petit à petit. Alors d'autant plus que moi là c'est une très vieille buse, hein, elle a plus de 2 ans, donc elle est très rayée, donc forcément ça veut dire qu'il y a beaucoup de dépôts qui vont se faire à l'intérieur, parce que plus votre buse est rayée, donc vous voyez ça commence à sortir, hein, plus votre buse est rayée, plus la peinture va accrocher à l'intérieur, donc plus ça va se boucher vite et tout ça, c'est tout à fait normal. Donc vous voyez ce qu'il y a dedans, hein, c'est une grosse crotte là, c'est de peinture marron. Donc faut être patient. Voilà, donc là je sens qu'il y a encore et toujours des trucs qui accrochent un peu partout. Et du coup, bah je continue tranquillement. Je pousse et je pousse.
J'utilise de l'eau bouillante. Alors non, pas de l'eau bouillante quand même pas. J'utilise l'eau chaude du robinet. Je mets l'eau chaude à fond. Je mets même pas mes doigts dedans au début parce qu'en plus elle sort vraiment très chaude chez moi l'eau. Le ballon il est assez fort. Et je laisse tranquillement le truc reposer le temps que la peinture, que l'eau fasse ramollir la peinture. Et ensuite, quand ça commence à être un peu moins chaud, que je vais pas me brûler, je mets mes doigts dedans et puis j'y vais. Oui, tout à fait. Il y a Julien qui dit que tu as des outils pour nettoyer l'aérographe. C'est vrai que ça peut être tout à fait utile. Alors moi, je m'en suis jamais servi, mais j'ai fini par commander ça chez Arnaud, là, kit de nettoyage, il y a tout dedans. Je me suis dit, bon, allez, on va utiliser ça. Alors moi, perso, j'ai pris l'habitude de nettoyer comme ça et ça va plutôt bien. Ouais, surtout en 0,3, en taille 0,3, l'aiguille elle est solide, donc bon, faut pas la claquer par terre non plus, mais y a pas de souci quoi, ça tient. Donc là, je vais utiliser maintenant la petite goupille que je vais faire passer dedans pour essayer d'arracher un petit peu la peinture. Donc ce que je peux faire sinon, c'est pour gagner un peu de temps, je vais écarter ça. En fait, je mets directement la bûche dans la flotte et avec ma goupille, je fais des allers-retours. Parce que l'eau, c'est forcément l'eau chaude, elle va venir chasser un petit peu toute la merde qu'il y a dedans. Donc, du coup, je dis 10 points pour Julien de Gryffondor parce qu'effectivement, il a donné un super conseil, c'est les objets à nettoyer. Si vous avez peur de péter votre aiguille, c'est des petites pointes que vous pouvez acheter. Donc c'est des têtes assez fines que vous pouvez faire passer justement de la même façon. Comme ça, bah, au pire des cas, si vous pétez un truc, vous pétez uniquement la pointe que vous avez achetée. Oula, j'ai fait tomber mon aiguille derrière. Vous pétez uniquement la pointe que vous avez achetée et pas votre aiguille qui coûte relativement cher. Donc c'est une très très bonne remarque. Bon, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ça m'a l'air d'être pas mal. Je la fais un peu tourner, voir si il y a de temps en temps ça accroche encore un petit peu. Après, tu me diras, c'était ma buse, elle a tellement souffert que qu'elle doit être légèrement déformée. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est relativement propre. En tout cas, moi, ça me suffira pour travailler. J'ai plus qu'à nettoyer ici. La petite tête là, donc ça c'est gros, il n'y a pas besoin de se casser la tête, hein, c'est brosse à dents. Donc alors normalement vous avez des têtes qui sont un peu différentes, moi c'est parce que j'ai retiré simplement l'embout qui protège l'aiguille, parce que ça te fait perdre en précision, je préfère avoir l'aiguille à nu en sortie d'aéro. Mais si vous avez peur de l'abîmer, vous pouvez remettre hein, votre vous pouvez l'enlever ou pas. Salut Adrien! Alors, Tony, j'utilise des aiguilles à coudre petit format du côté de la tête, ça marche pas mal. Ben, c'est une bonne astuce, donc ce sera 10 points pour Poufsouffle, mon petit Tony. Voilà, donc ma tête est bon, elle est encore crado, mais franchement, ça, je m'en fous. Mais alors, comme de l'an 40, que ce soit propre ou pas, c'est juste pour le plaisir des yeux, le reste, c'est inutile. Donc, du coup, je vais pas m'attarder plus que ça. Alors, je vais juste sécher un petit peu mes trucs. Hop là. Donc, remontage, partie éventuellement délicate. Pour un usage quotidien, on me conseille de changer la buse tous les 6 mois maximum. Alors, la tienne, elle a dû bien manger. Oh oui, bah écoute, moi, tant qu'elle fonctionne, j'ai pas de raison de la changer. J'en ai une de réserve au cas où, si j'ai un problème, mais tant qu'elle marche bien, je ne la changerai pas. On est des vieux amis, elle et moi, donc du coup, je ne verrais pas la bazarder comme un malpropre et un goujat, ça serait pas bien. Donc, mais pour nettoyer ta buse, tu grattes avec la pointe. Alors, je ne gratte pas avec la pointe, David. Tout l'extérieur, je l'ai fait à la brosse à dents. L'intérieur, j'ai passé la goupille ici, dedans, et tu tournes, tu tournes, et tu tires, et ça va enlever un petit peu ce qu'il y a dedans. Et par contre, à la fin,
Donc tout ce qui est le couloir le plus externe de la buse, effectivement, là, moi j'utilise mon aiguille comme j'ai montré, donc je me mets comme ceci pour être bien stable, hein, pour pas avoir de risque par rapport à mon aiguille. Et je fais passer mon aiguille tranquillement comme ceci, tu vois, en faisant sortir la tête. Et en fait, j'essaie de chasser ce qu'il y a dedans par ce petit trou. Et bah, jusqu'à maintenant, avec la 0,3, même avec la... j'en ai une de 0,2, bah, ça marche très bien. La dernière fois, à force, la mienne, buse s'est fendue. Ah, peut-être parce que tu as un petit peu trop forcé, Arnaud. C'est l'avantage de le faire passer dans l'eau chaude, c'est que ça ramollit la peinture, donc tu as moins besoin de forcer pour que la peinture sorte. Elle sort plutôt toute seule comme une grande. Donc, alors, pour le remontage, c'est dans le sens inverse. Donc, je vais mettre ma petite gâchette. Donc, vous voyez ici, il y a un trou dans lequel, hop, on met la gâchette. Donc, il y a un sens, hein, pour la gâchette. Vous avez vu les accroches, vous devez les sentir. Ça doit accrocher à votre doigt, parce que si vous le mettez dans l'autre, en fait, c'est un peu plus chiant. Donc, vous mettez les accroches dans le bon sens, vous mettez votre petite gâchette comme ceci. Ici, donc, je vous rappelle, il y a un petit ressort ici. Donc, petit ressort comme ça. Ici, vous voyez les pas de vis pour pouvoir serrer votre aiguille. Ils doivent sortir de ce côté-là. Là, vous avez les pas de vis que vous allez visser sur l'arrière de votre aérographe. Et vous devez faire rentrer ce petit morceau-là, cylindrique, qui dépasse dans le cul de votre gâchette. Vous voyez la gâchette, il y a un trou ici. Vous voyez. On va faire rentrer le petit morceau cylindrique là-dedans. Voilà. Et on visse. Alors moi, une fois sur deux, le pas de vis se met pas bien. Et là, on est tombé sur la bonne fois, donc ça se met bien. Voilà, donc là, j'ai le principal, donc vous voyez, la gâchette, elle est bien, elle fait ce qu'on veut. Donc ensuite, là, c'est l'heure. Avant de faire ça, je vais juste préparer l'avant. Donc je vais remettre ma buse. Donc là, c'est pareil, vous le faites doucement, vous mettez bien vos doigts dans le bon sens pour que ça soit bien naturel comme geste et que vous puissiez tranquillement mettre votre buse sans forcer. Pouf, voilà, ça rentre. Et on voit la petite buse qui ressort à l'avant sur la pièce. Bon, vous voyez peut-être pas, c'est un peu trop flou, mais je peux remarquer peut-être. Est-ce que je peux. Voilà. Voilà, vous voyez, ça ressort là. Donc si ça ressort bien, c'est que c'est bien mis. Voilà. Je vais remettre la focus comme ceci. Donc une fois que j'ai fait ça. À nouveau, je prends mon aiguille. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse, évidemment. Je la fais rentrer par ici, parce que là c'est solide à l'arrière, donc j'ai pas de problème, je peux le faire rentrer, je peux taper, ça cassera pas. Je fais rentrer tranquillement mon aiguille par l'avant. Ensuite, là je n'y touche plus parce qu'il y a la partie avant, donc j'ai pas envie de la manipuler. Donc je vais partir maintenant du côté arrière, je la manipule par ici. Et à nouveau, vous voyez, je fais rentrer jusqu'à ce que ma tête d'aiguille soit en sécurité, vous voyez, elle ressort ici à l'avant, là, vous la voyez un peu bouger. Voilà, là, elle est dedans, donc elle est en sécurité. Là, je peux mettre à ce moment-là mon truc avant, puisqu'il n'est pas en contact avec mon aiguille, donc je suis sûr de ne pas le péter. Donc là, je visse tranquillement, voilà, et une fois que c'est fait, tranquillement sans forcer, je vais vérifier qu'il n'y a pas de coincement, que ça sort bien. Donc là, vous voyez que ça sort. Vous voyez sur mon doigt, là, l'index, l'aiguille qui nous fait coucou. Donc ça veut dire que tout va bien. Donc avant de visser, je vais bien resserrer la tête avant. Donc sur certains aérographes, vous avez même un système de clé pour bien visser. Bon, moi, c'est un système de grippe. Donc là, je repousse mon aiguille. Je peux remettre ici la vis de serrage. Donc je commence par la mettre tranquillement. Je pousse bien mon aiguille pour être sûr qu'il n'y ait pas de jeu. Hein, pour être sûr qu'au repos, ce soit bien fermé. Je pousse bien mon aiguille. Et une fois que c'est fait, je peux serrer. Donc moi, je serre pas mal. Et à la fin, j'ai plus qu'à remettre, évidemment, ma tête à l'arrière. Et c'est bon. On l'a terminé. Ça rentre sans forcer. Oui, comme papa dans maman, comme on dirait, n'est-ce pas? Et voilà les amis, notre aérographe, il est tout prêt, il est monté. On a terminé le nettoyage, on va pouvoir attaquer la sous-couche ensemble. En attendant, je vais voir si vous avez des questions. Moi, je me sers de cette petite station qui n'est pas idéale parce que le problème de cette station, c'est qu'elle est vraiment pas stable, donc c'est assez dangereux.
Je comprends pas que ce morceau-là ne touche pas terre, ça permettrait d'être un peu plus stable, parce que là, le truc, avec l'aérographe dessus et le câble, ça bascule comme c'est pas permis. Donc, bon, c'est pas l'idéal, mais c'est déjà pas mal. Comme vous voyez voir, elle a très très bien vécu. Pourtant, je l'ai nettoyé plusieurs fois, hein, mais bon, à l'usage, ça s'encrasse très 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 vite. Donc ici, moi, j'ai ma petite sortie comment dire, d'air. Donc je vais évidemment mettre mon aérographe dessus. Je vous recommande très vivement un câble en tissu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du tissu. Pourquoi? Parce que en fait, quand c'est sur votre peau, ça glisse pas, contrairement aux câbles caoutchouteux là ou qui se barrent dans tous les sens. Le truc que je vais vous montrer avant de commencer, c'est le câble pour qu'il ne vous gêne pas. Parce que si vous tenez votre aérographe comme ça, c'est chiant parce qu'il y a le câble qui se balade, qui fait sa vie. C'est tout simplement, vous prenez votre poignet et hop, vous faites un tour comme ça. Et là, ça tient bien parce que votre câble, il est enroulé autour de votre bras. Donc, pouf, comme ça, vous êtes plus à l'aise. Votre câble ne vous gêne plus. Alors, tu as déjà testé les aéros à aspiration. Tout à fait. Et j'aime pas du tout parce que moi, j'aime bien que ça aille très vite. Et le problème de l'aéro à aspiration, c'est que c'est quand même plutôt fait pour pouvoir bien préparer tes mélanges dans des petits bacs et tes petits trucs. Moi, je mélange directement dans le godet parce que ça va très vite et du coup, l'aspiration ne me plaît pas. Alors, il y en a qui ont déjà essayé un bain d'ultrasons pour nettoyage aéro, des avis. Eh bien oui, Adrien, j'ai testé et j'ai pas du tout apprécié, j'aime pas du tout. Ça n'a absolument rien nettoyé du tout. C'est bizarre parce que ma station nettoyage qui est la même touche sur le plan de travail. Eh bah écoute, c'est peut-être un modèle un peu moisi, je sais pas. Mais moi effectivement, ce truc-là, tu vois, je peux passer mon doigt en dessous. Et c'est pas génial du coup. C'est pas génial. Après, c'était peut-être le modèle prototype de l'époque, je ne sais pas. Donc moi, Adrien, pas convaincu par le bac à ultrasons. J'ai un collègue qui m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine, mais qu'en plus les vibrations, c'est pas génial parce que ça augmente les micro-fissures, en fait, les rayures de ton aérographe à cause des vibrations justement du fameux bac à ultrasons. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je suis pas physicien. Est-ce que c'est des conneries? Est-ce que ça l'est pas? Mais je me pose la question. Il faudrait que je le change, hein, mon truc, parce que même ici, là, ça tient plus. ça se barre totalement en cacahuète. Je l'ai fait d'ailleurs tomber une fois par miracle, il ne s'est pas cassé. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va directement passer à la sous-couche. On va directement passer à la sous-couche. Alors, avant de commencer véritablement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Alors, en produit, alors là, ça c'est le vieux, il est presque mort. Hop, voilà, c'est celui-là que j'utilise. Acrylique polyuréthane de chez Prince Auguste ou Valero, c'est tout à fait pareil. C'est du noir, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Vous pouvez trouver genre de pot de 12 à 18 euros à peu près selon vos revendeurs. Donc, ça dépend des fois. J'imagine que ça dépend du marché, ça dépend de la crise économique et tout ça. En diluant, alors en diluant principalement j'utilise. Alors ça va être le gros point peut-être, c'est que moi, que ce soit en diluant, en nettoyant, j'utilise du nettoyant. J'utilise pas de diluant. Toi aussi Julien, ça nettoie que dalle, bah, comme ça je me sens moins seul, c'est déjà bien. Donc moi j'utilise ça pour diluer et nettoyer. La raison est très simple, c'est que je ne vois absolument pas la différence avec le nettoyant à l'usage et ça coûte moins cher que le nettoyant. Que le diluant, pardon, et en plus ça nettoie. Donc autant utiliser le nettoyant. Peut-être que d'autres vous diront qu'il y a une grande différence et tout ça, machin. Moi personnellement, ça me choque pas, j'ai jamais vu de différence et ça marche très bien les deux. Faites-vous votre propre avis de votre côté. Je suis perplexe sur l'efficacité aussi, puis il y a des bains qui chauffent ou avec des détergents, du coup ça doit fausser l'action des ultrasons seuls. Ouais, surtout que les détergents, il faut éviter quand même hein, pour les joints. Donc voilà, petit nettoyant. Donc avant d'attaquer le mélange et tout ça, dans notre fameux godet, on va mettre un poil de diluant. Ah, ce que je vais faire peut-être. Je suis en train de me dire. J'avais retiré la webcam
comment dirais-je, de la webcam palette, parce que je m'étais dit que ça servirait à rien. Mais je suis en train de me dire que je peux vous la mettre pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux l'aéro. Je vais faire ça. Donc je vais la mettre en hauteur. Pouf, voilà, comme ceci, peut-être que ça va être pour moi, je sais pas. Quelle est la différence entre le diluant et de l'eau lambda? Alors, techniquement, tu peux pas le savoir vraiment, Rémi, parce qu'il ne te donne pas la composition de ton produit nettoyant. Néanmoins, le nettoyant, quand tu passes sur de la peinture, ça se barre plus facilement dans ton aéro. Si tu as des petits trucs à enlever, tu pourras faire le test, ça s'en va plus facilement. Par contre, attention, pas d'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire. Et alors, l'eau déminéralisée plus nettoyant vitre, je suis pas du tout fan, Julien, parce que le nettoyant vitre, ça brille. Et du coup, j'ai pas envie que ça brille, moi, sur ma figurine. Alors, donc, je vais juste modifier ça. Voilà, caméra 4. Sbim. Caméra palette, elle est là. Caméra palette. Boum. Ah, tu veux pas me la mettre? Est-ce que tu veux bien te mettre en marche, petite caméra? Si j'ai envie de vous mettre la deuxième caméra, vous verrez mieux ce que je fais. Le nettoyant a du lubrifiant dedans pour entretenir l'aéro. Contrairement au diluant. Eh bien, moi, je ne savais pas, mon ami. Ah, ça y est. Que la lumière fût. Alors, on va configurer ça pour qu'on puisse zoomer un peu. Configurer, donc zoom. Alors, je vous promets que ça n'a rien de sexuel, ce que je suis en train de faire. Juré craché. Panoramique, voilà. Je peux zoomer encore peut-être un petit peu plus. Encore un peu plus. Ah, ça va pas zoomer plus. Après, ça change rien. Ok. Panoramique, on va centrer un petit peu. Voilà. Donc, dans mon godet, ici, voilà, c'est pas mal comme ça, vous voyez mieux. Tout à fait, Julien. Selon les peintures avec lesquelles tu mélanges, ça peut être très brillant. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de cleaner dans mon godet, histoire de voilà, je fais un petit peu buller. Donc, quand vous avez besoin, regardez la caméra qui est là, hein, qui est devant, sur la droite. En fait, à l'intérieur ici, vous avez un petit joint de serrage. En fait, vous poussez votre aéro et vous pouvez le serrer. Histoire que justement, ça bulle plus. Et donc, j'envoie la totale, je fais tout partir, histoire de tout chasser. J'espère que le bruit du compresseur sera pas trop fort. Je l'espère. Donc avant de commencer quoi que ce soit dans votre aérographe, toujours mettre un fond de diluant avant de mettre de la peinture, parce que si vous balancez directement votre peinture sans diluant, vous avez des chances que la peinture pouf tombe dans le truc, se solidifie, fasse un bouchon et que vous n'avez plus qu'à démonter votre aérographe. Bonsoir Christophe, bah écoute, c'est pas grave, bienvenue, tu prendras en route. Donc là j'ai mis dans mon godet à peu près la moitié, un petit peu moins de cleaner, et je vais compléter. Alors c'est quand j'ai besoin d'un godet entier, là j'ai pas besoin d'un godet entier, mais bon, c'est pas grave. Je sous-couche rarement une seule figurine au complet, c'est un petit peu gâché. Là je sais qu'avec ça je peux faire 2-3 figurines sans problème. Donc évidemment, c'est pas très malin de se coucher qu'une figurine. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, ça ira très bien. Donc j'utilise un pinceau pourri, pas trop pourri quand même. Le but c'est qu'il ne perde pas assez de poils dans l'aérographe, ça serait dommage. Donc on va dire un semi-pourri, et avec, on mélange, hop, dans le godet. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi c'est comme ça que je fais. Je mélange dans mon godet, et avec grand plaisir, et avec fureur. Voilà, tranquillement. Si on a le choix en début de session, thinner ou diluant, bah je crois que c'est la même chose, Christophe, non? C'est juste le mot anglais.
Donc là, je nettoie mon pinceau dans l'espèce de truc savonneux parce que comme c'est de la sous-couche, c'est pas trop bon pour le pinceau, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Alors, d'habitude, systématiquement les amis, hein, masque, là je le ferai pas parce que si j'ai le masque, vous m'entendez pas parler, bon pour une petite session ce sera pas très grave. Mais surtout, hein, si vous faites de l'aérographe souvent, achetez ça, ça coûte pas cher et puis c'est mieux. Surtout si vous êtes fumeur, vous avez déjà les poumons crassés. Ça coûte une trentaine de boulasses. Voilà, bon, le mien, je devrais bientôt le changer. Bon, ça va encore, il n'est pas encore trop sale. Mais voilà, c'est quand même cool. Et faire buller pour mélanger la peinture. À buller, ça mélange que dalle, Antoine. Ça fait juste éventuellement des bulles, mais un vrai mélange, il faut être un petit peu plus vénère quand même. Chez PA, par exemple, tu as les deux. Et bah, aucune idée, de toute façon j'utilise que du cleaner. Donc alors là ça va être la partie un peu technique pour moi. Paf, oh, pas tant que ça. Non ça va. En plus avec cette espèce de config, vous allez bien voir, c'est pas trop mal. Donc là, d'habitude j'utilise une poignée pour pas me salir les doigts. Là, ça va être un peu chiant parce que je peux pas trop monter la caméra, donc je vais le faire. Alors avant quoi que ce soit de commencer, j'envoie de l'air tout bêtement vide sur mon support pour voir s'il n'y a pas encore des saloperies qui sortiraient. Et je vais décharger un petit peu. Je décharge toujours parce que vous voyez là, c'est très liquide, simplement parce que le fond de mon aérographe, lui, il n'est pas bien mélangé. Donc j'évacue le surplus de diluant, machin, tout seul. Et là, je vois que c'est plutôt pas mal sur l'autre couche, donc ça veut dire que je peux y aller. Et c'est parti, donc j'y vais tranquillement, sans forcer, doucement, j'ai pas besoin d'y aller comme un bourrin. Voilà. J'espère que le bruit ne vous pète pas les oreilles. J'incline bien ma figurine partout, alors désolé, vous voyez pas très bien sur cette zone-là, je vais essayer de me décaler un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Là, vous voyez pas mal. Donc la gâchette, alors attention la gâchette, il faut que je vous parle d'un truc les gars. Quand vous commencez, non c'est un mythe Antoine, ça mélange pas bien le bullage. Faut déjà normalement mélanger dans le godet, c'est limite, faudrait que je mélange à côté, mais ça m'emmerde, c'est trop long. Mais alors buller, ça mélange pas assez, clairement pas assez. Alors en fait ces aérographes ils sont double action. Ça veut dire quoi double action? Ça veut dire que quand vous poussez vous envoyez de l'air et quand vous tirez vous envoyez de la peinture, vous voyez, c'est ça double action. Et en fait il faut apprendre à faire un truc les amis. Souvent c'est une erreur que je vois, mais même chez des pros, hein, ça me fait halluciner. La règle, c'est on commence par envoyer de l'air et on termine par envoyer de l'air. Donc jamais je vais lâcher mon air à la moitié mi-parcours de gâchette, d'accord? C'est j'envoie l'air, j'envoie la peinture, je fais ma vie, je relâche la peinture et après je relâche l'air. Pourquoi? Parce que si vous lâchez l'air, mais que vous avez encore le truc ouvert avec de la peinture, vous risquez d'avoir de la peinture qui sèche à l'intérieur et donc boucher plus vite votre aérographe. Donc, c'est pas naturel comme geste. À chaque fois que j'apprends ça à quelqu'un, il se dit « Ah ouais, mais c'est trop chaud, c'est compliqué, etc. » Et c'est tout à fait vrai, mais il faut que ça devienne un réflexe. Avec le temps, ça va le devenir. Hein. Moi, c'était pas naturel pour moi non plus, mais il faut le faire. Donc, à chaque fois, j'envoie de l'air, je mets ma vie à la peinture, et ensuite, j'arrête la peinture et à la fin, j'arrête l'air. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Prenez le réflexe de le faire parce que plus vous allez le faire rapidement, plus vous êtes tranquille. Quand même parce que de la 27. Alors j'ai bien cherché par en dessous pour rien oublier. Voilà. Hop.
Nickel, pour moi c'est terminé. Je suis à combien de barres? Je suis à 1 bar 8. Donc là je vide dans ma purge mon aéro. Je vais mettre du cleaner dedans. Et je vais rincer mon godet. J'aime beaucoup ce mot godet, je trouve ça rigolo. Je sais que je suis un vrai gamin avec ça, mais ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Ça me fait penser aux visiteurs. C'est avec Jacouille. Tu veux la rasade? Ça me fait rire. Voilà, donc mon godet est tout propre. Ma figurine a subi sa première sous-couche. Donc là, la caméra fait un peu la tête parce que c'est du noir sur des couleurs bizarres. Je vais attendre que ça sèche, c'est pas tout à fait sec. Donc quand vous êtes comme moi très impatient, vous utilisez un sèche-cheveux. En l'occurrence, là, moi je vais patienter un petit peu, voir si vous avez des questions. Donc voilà, ce truc de gâchette là, hein, d'ouverture-fermeture, vraiment très très important, ça va vous faire gagner du temps. Alors, il y a beaucoup de projections en face de toi, hors du champ de l'aéro. Beaucoup non, mais sur le long terme, tu le vois, David, parce qu'il y a de la poussière très vite dans ton atelier. Tu peux utiliser des outils, comment on appelle ça, des VMC. Il y a des Allemands notamment qui font ça, des VMC portatifs pour aérographes. Donc ça aspire tout. Tu as juste à mettre la sortie dans une fenêtre. Et puis pouf, ça s'en va dehors, nickel. 50-50 en dilution environ. Un petit peu moins, je dirais, Antoine. Normalement, ça devrait être un petit peu plus de primeur, je dirais, dans les 60-40. Peut-être même un petit peu moins encore de cleaner. Et plus de primeur. Tu sèches avec l'air de l'aéro. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Je le faisais avant, mais depuis que j'ai un sèche-cheveux, je ne le fais plus. Oui, oui, vous avez raison. C'est un réflexe que j'avais avant, mais depuis que j'ai l'aéro, depuis que j'ai le sèche-cheveux, j'ai perdu le réflexe de le faire. Et je me pose la question si ça va au niveau du bruit. Vous m'avez pas répondu. J'imagine que ça va. C'est pas trop fort. Oula. Ah, je me souviens de cette blague, Christophe. Chips. Ok, donc ça c'est bon, c'est nickel pour moi. L'essentiel est fait. Non, je rigole. Je rigole. On va passer à la deuxième étape. Alors normalement, donc la petite demoiselle, elle est plutôt de bleu vêtu. Alors c'est un bleu légèrement désaturé, donc on va faire un bleu moins pétant qu'on avait fait pour la danseuse. Mais vous imaginez bien que ça peut être compliqué parfois de commencer directement sur une sous-couche comme ça. Parce que des fois, vous avez des peintures pour aérographes qui marchent pas bien, qui n'accrochent pas, voilà, qui sont pas assez opaques pour pouvoir couvrir un noir aussi noir que ça. Donc pour ce faire, ce que vous pouvez, si vous avez besoin, c'est faire une petite couche par-dessus d'un blanc, un léger voile de blanc, donc faire ce qu'on appelle un espèce de zénithal. Alors là, c'est pas vraiment un zénithal, hein, c'est plus pour de la préparation. Donc je mets un tout petit peu de cleaner dans le fond, pas beaucoup, parce que là on va utiliser directement, donc c'est de la Prince Auguste, hein, c'est de la gamme R. Donc ça se passe très très bien à l'aéro, il n'y a pas besoin de la diluer beaucoup. Vraiment, je mets un fond dans le fond, histoire que ça soit pas tout neutre, mais il n'y a vraiment pas besoin de diluer, c'est prêt à l'emploi, c'est fait pour ça. Ce qui n'est pas forcément le top du top, hein, parce que concrètement, quand vous avez des peintures que vous devez diluer, ça vous coûte moins cher en peinture, ça vous coûte plus cher en diluant. Donc après, c'est à vous de voir. Oula, que la figurine ne se barre pas. Donc là, oula, vous voyez, moi j'ai un petit souci avec ma buse. C'est pour ça qu'on teste d'abord sur le sol. C'est pour voir si tout va bien. Et là, tout va pas bien. J'ai ma buse qui est re-rentrée. Voilà. C'est moi qui ai dû faire une fausse manip. Donc avant de bombarder la figue, on teste toujours sur son support. Ça évite les bêtises. Voilà. Je sais pas pourquoi elle est rentrée. Voilà, donc là c'est nickel pour moi. Donc on va faire notre petite préparation. Donc on va commencer par le dessus. On s'éloigne un petit peu
Et on va faire un léger voile tranquillement par-dessus, petit à petit, sans forcer, sans aller trop vite, parce que le but c'est pas forcément qu'elle soit d'un blanc immaculé. On va commencer par tout mettre en valeur, histoire de bien comprendre comment se comporte la figurine vis-à-vis de ses détails, de tous ses plis, etc. Ça permet directement de voir comment ça se passe. La sous-couche blanche de Valero, j'en ai encore en stock, mais je la trouve pas top du tout. Alors là, les gens voudraient que la noire est très bien, que la blanche est pourrie, et qu'il y a une autre marque, c'est l'inverse. Mais je sais plus laquelle. Ouais, donc petit à petit, alors j'insiste un petit peu plus, légèrement plus sur le haut des épaules, le chapeau. J'essaie de raccorder un petit peu les choses, c'est-à-dire pas avoir de zones trop grises et trop blanches à côté de l'une de l'autre, et plutôt avoir une progression naturelle entre les zones. Donc vous voyez, elle est quasiment toute blanche. Je vais attaquer quand même un petit peu par le dessous, parce que sinon on va avoir le syndrome noir et blanc. Et pas du tout l'objectif. Donc même sur le côté, j'attaque un petit peu, histoire de réduire les écarts entre les ombres et les lumières. Parce que là, c'est beaucoup trop fort. Mais quand j'y vais sur le côté, vous voyez, j'y vais vraiment léger, léger, léger. Doucement, doucement. Donc c'est pareil par en dessous. Son visage, tout ça. Et vraiment doucement. Hein. C'est petit à petit que j'ai obtenu mon résultat. Je force pas. Si vous utilisez trop de blanc dès le départ, vous risquez de ne pas avoir un dégradé suffisamment convaincant entre le blanc et le gris. Je dois vous montrer ça. Bon, il y a juste le bas de la figurine que je dois reprendre, que j'ai pas fini. Tac, je vais me mettre là en attendant. Vous voyez, il y a des zones qui sont restées assez sombres dans le fond ici, mais quand même relativement claires. Hein, et même en dessous, j'ai été... Alors, on ne regarde pas sous la jupe, hein, ça se fait pas les gars, mais exceptionnellement. Voilà, j'ai été un petit peu chercher en bas, parce que bah, mine de rien, il va quand même falloir mettre un petit peu en lumière tout ça, même si c'est quand même assez sombre. On est là pour la mettre en valeur. Vous voyez, donc j'y suis vraiment allé petit à petit, j'ai commencé par le haut, et ensuite j'ai incliné mon aéro. C'est pas celle de Mi qui est top, aucune idée. De toute façon, moi je ne sous-couche pas en blanc, les amis, je ne saurais vous dire. Sous-couche blanche, je trouve pas ça génial. Je préfère clairement ça. Ça, c'est, on va dire, le type de sous-couche que j'aime bien éventuellement. C'est une préparation noire et une reprise au blanc derrière. Donc j'attaque un petit peu le socle. Voilà, ce qui n'est pas forcément judicieux de toute façon, parce qu'on va revenir à l'aérographe dessus. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la première préparation. Et maintenant, on va commencer à poser les premières couleurs avec notre aéro. Donc avec un bleu un peu grisâtre. Vous êtes vraiment en accord là tous les deux, hein, Christophe et Chucky. Il y a un match là. Donc là je vais nettoyer évidemment comme d'hab mon godet. Vous connaissez la musique. Alors je crois pas avoir. J'ai peut-être une couleur de bleu, mais il est clairement beaucoup trop bleu. L'image de Fleur de la Cour, vous pouvez la trouver. Un peu où vous voulez. Elle est un petit peu turquoise. Il a fait des ombres un peu jaunies sur des lumières un peu jaunies, ce qui donne ce côté turquoise. Les ombres sont bleutées mais quand même légers. Ouais, globalement c'est un bleu un peu verdâtre. Ok, je vais utiliser autre chose. Je vais partir sur un truc plus transparent. J'ai jamais utilisé directement comme ça, mais on va essayer ça ensemble. On va expérimenter un truc, vous allez voir, ça va être fantastique. Bon, je prends pas trop de risques, hein, je vous rassure. Il faut juste que je trouve le pot en question.
c'est du vert. Je vais le garder de côté, mais je pense pas que j'en aurai besoin. Là, j'ai un petit peu de jaune. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Vous allez voir, ça va être magique. Ça va être incredible. Là, je vais vous filer une technique de voleur, mais vous imaginez même pas. Alors, on va commencer avec ces peintures-là. Donc, c'est des peintures, à la base, c'est de l'intensity ink, c'est de l'équivalent de contraste. On va passer dans l'aérographe, parce que le but, là, c'est juste de donner de la couleur dans un premier temps. C'est pas forcément d'avoir un truc, comment dirais-je, chiadé et nickel dès le départ. Donc, avec ça, on prend un petit peu moins de risques, parce que c'est fait pour colorer. Néanmoins, c'est quand même relativement saturé. Le bleu, il est hyper balèze, vous le voyez, hein, dans le pot, il est assez fort. Donc, on va légèrement le désaturer. Donc pour pas prendre de risque, on peut le désaturer avec du noir tout bêtement. Je sais pas si j'en ai à portée de main, si j'en ai aussi. Que je regarde, elle est claire, elle est très claire je crois là, la figurine par contre. Ouais, elle est assez claire. Bon, on va mélanger, donc on va mélanger un petit peu ces trois peintures là ensemble dans l'aéro et on va voir ce qu'on va voir. De toute façon, c'est pour les couches de base, donc si c'est pas parfait, si c'est pas exactement la bonne couleur, on verra bien. Donc let's go, je vais la décaler. Donc pourquoi j'utilise ces couleurs là, je disais, c'est parce que c'est transparent, donc je vais pas éclater mon système d'ombre et de lumière que j'ai mis en place juste avant. Ah, par contre j'ai mis beaucoup trop de cleaner je pense là dedans voilà. Donc je vais mettre quelques gouttes de bleu. Éventuellement, vous voyez, alors je sais pas si vous le voyez bien, peut-être vous le voyez mieux là, je vais regarder le retour caméra, il est là. Alors vous le voyez pas des masses non plus. Si je m'en mets sur le doigt, vous voyez, c'est très 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 saturé, hein, donc c'est assez violent. Bon, on va commencer avec ça, on verra bien comment ça donne. Si c'est vraiment trop bleu, normalement je vais y aller mollo, donc ça devrait pas teinter des masses au début. On va voir les amis. Pendant que je fais tout tomber, c'est une catastrophe. Alors, retour caméra, j'ai le chat. Même technique que ton Stormcast, pas tout à fait, sur le Stormcast c'était appliqué au pinceau. Donc, là, cette fois-ci, je vais commencer par le bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les hauteurs, sur la lumière la plus élevée, je voudrais avoir des lumières un petit peu plus jaunes. Donc, je vais commencer par le bas. Et donc, on va y aller tout doucement, tranquillement. Vous voyez, ça colore tranquillement. C'est transparent, donc ça ne va pas venir écraser ce qu'on a fait. Mais ça va venir teinter. Et donc vous voyez, c'est, même si c'est saturé, vu que j'y vais tranquillement, j'ai ma gâchette vraiment légère, hein. J'y vais très très doucement. Si vous avez du mal, vous pouvez réduire la pression de votre aérographe pour avoir plus de précision. Et donc petit à petit, je vais venir comme ça par en dessous pour prendre les ombres en fait en premier. Donc sur les zones basses, je vais pouvoir insister un petit peu. Et bon, alors, pardon, par contre, c'est un peu trop haut. Je vais descendre un petit peu quand même. Voilà, là, vous verrez mieux. Voilà, ça va un petit peu mieux sortir. Et voilà, tranquillement, ça se teinte. Vous arrêtez quand vous voulez, hein, quand vous considérez que c'est suffisamment bleu. Donc sur la zone la plus en dessous, alors, de temps en temps ça se bouge un peu. Donc, sur la zone la plus en dessous, je vais insister un petit peu plus avec mon bleu. Alors j'ignore un peu les collants, hein, parce qu'ils sont pas du tout de la même couleur.
Ça marche avec toutes les encres. Bah, techniquement, oui. Hein, après, sauf si tu vois. Ouais. Enfin, c'est à tester. Je pense pas qu'il devrait y avoir problème avec une encre ou une autre. Mais normalement, ça devrait pas poser de problème. Les encres sont assez liquides, donc ça passe très bien en général dans l'aérographe. Le seul truc, je te dirais Antoine, c'est de. Moi j'aime pas, c'est quand ça brille. Donc juste vérifier avant si ton encre elle brille pas trop. C'est le seul conseil que je te donnerais. Donc voilà, vous voyez, très simple. On a fait le premier jet. Juste reprendre un petit peu le bas ici, comme ça. Voilà. Donc ça permet déjà d'avoir des petites ondes, des petites lumières, et on va passer à la deuxième étape. Le bleu, déjà comme ça, on dirait la photo de la boîte. Bon, alors de loin, de très très loin. Mais effectivement, on a déjà, en fait, grâce à l'aérographe, tu vois, on a nos ombres qui sont sombres, notre lumière qui est claire. Ce qui manque là, c'est les lumières, il faut leur mettre de la couleur, parce que des lumières blanches, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Donc là, en fait, pour s'amuser un petit peu, on va simplement utiliser du jaune. Voilà, on pourrait utiliser du vert aussi, éventuellement. Là, moi, je préfère y aller avec le jaune, histoire que ça soit un petit peu plus pétant. Un petit peu, pas beaucoup. Au pire des cas, si vous voulez un intermédiaire, bah, vous mélangez un petit peu de vert avec un petit peu de jaune, tout simplement. Non, Christophe, je varie pas du tout la pression, je varie juste l'utilisation de la gâchette. C'est-à-dire que je vais y aller un petit peu plus mollo avec la gâchette. Pour pas que l'encre parte comme une folle. Donc là, je vais commencer par utiliser mon petit jaune. Donc je mets un tout petit peu de cleaner dans le fond, mais c'est vraiment pour pas que l'encre aille directement, c'est pas pour diluer, hein. C'est juste pour pas qu'elle aille dans le fond mon encre et qu'elle encrasse mon aérographe, c'est juste pour ça. Donc une fois que j'ai fait ça, voilà, maintenant j'ai mon jaune, et de la même façon, sauf que cette fois-ci je vais revenir par le dessus. Et ça va venir donner une légère teinte, en fait, un petit peu plus chaleureuse aux lumières de ma figurine. Sans problème. Et après, c'est à vous de doser. Vous pouvez faire plus ou moins jaune. Plus ou moins blanc. Tranquillement avec mon filtre, on a l'impression que c'est du vert parce que bah, forcément ça se mélange au bleu. Hein. Alors, cette petite manche là que j'ai oubliée. Voilà, donc on a une lumière qui est tout de suite beaucoup plus sympa que une simple lumière blanche, quoi. Alors que c'est juste un peu de jaune, hein, mais faut essayer dans la mesure du possible d'éviter le blanc. Pour que ce soit beaucoup plus joli, beaucoup plus sympathique. Voilà les gars, pour cette petite prépa aéro. Je reprends juste encore 2-3 endroits pour que ça soit un petit peu plus naturel. Je vais peut-être remettre un petit peu de bleu dans le fond. Ça me manque un petit peu de bleu, je pense. Pas beaucoup. Donc je vais remettre un petit peu, un poil de bleu pour que ce soit un petit peu plus bleu. Mais voilà, ça c'est du dosage, quoi. C'est même là, hein, je veux dire, c'est assez convaincant. En termes d'ombre et de lumière, c'est déjà cool. Enfin, moi en tout cas, je trouve ça déjà sympa comme résultat. Si vous voulez juste jouer au jeu de société. Bah, vous n'avez plus qu'à reprendre les détails et voilà quoi, enfin, vous n'avez pas à rougir de votre figurine, elle est sympa. Et ça vous a pas demandé beaucoup d'efforts.
Toi, ça te parle, Antoine. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Comme quoi, je vous montre pas que de la merde, hein, les gars. Bon, j'espère que ça vous plaît comme technique. Voilà, je vais juste rajouter un petit peu de bleu. Je vais la colorer un petit peu plus en bleu. Donc je reprends juste les intermédiaires avec mon bleu, mais très léger, hein. Toujours pareil, c'est vraiment, il faut travailler en subtilité. L'erreur, c'est de vouloir aller trop vite à l'aérographe. Ça va déjà suffisamment vite, donc prenez votre temps, y allez par petites touches pour que ce soit pour pas commettre d'erreur, quoi. Prenez le temps de regarder, voir comment votre peinture elle évolue, si c'est pas trop, si vous n'allez pas trop loin. Voilà, elle est plus bleue là, comme ça. Donc ça, c'est bon pour le bleu. Pour la préparation aérographe, on est bon les gars, on a déjà terminé. J'ai plus qu'à nettoyer un petit peu mon aéro. Alors, je nettoie ça, puis je réponds à vos petites questions et commentaires, parce que je vois que ça tchatche, ça tchatche. Voilà, nickel. Alors, je vais tenir la figurine, parce que là, on voit mieux quand je la tiens. Ah ben, salut Ben. Salut, j'espère que tu vas bien. Effectivement, tu as une bonne base, avec ça je l'avais déjà lu. Et si tu voulais pousser un peu plus mais rapide, tu retoucherais quoi? Les ombres ou les lumières? Je retoucherais que les lumières, là. Parce que, en fait, si tu veux, il manque un petit peu de contraste. En gros, on a bien la forme de la figurine qui est là, mais par contre, on n'a aucune lumière qui attire un peu l'œil. Donc, du coup, pour moi, je reprendrais principalement les lumières, quoi. Je remettrais un petit peu de peps par-ci, par-là. C'est ce qu'on va faire de toute façon. Alors, c'est chouette en tout cas, c'est clair que ça permet de déposer toute sa boîte rapidement pour jouer en famille. Bah ouais, clairement, hein, clairement, c'est des techniques rapides. Et puis après, le gros avantage, c'est que comme t'as une bonne base, rien t'empêche, si t'as envie de temps en temps, de remettre un petit coup de pinceau ou un petit coup de baguette magique pour rester dans le thème, histoire que ce soit un petit peu plus joli, un petit peu plus sympa à voir de près. Bon, alors attention, après, il faut quand même modérer ça. Ici, on a une figurine qui est hyper simple à peindre parce qu'elle a une robe qui, de la tête aux pieds, de la même couleur. Elle a juste son visage, ses cheveux, sa petite baguette, deux, trois détails comme ça qu'on va reprendre tranquillement. Mais la majorité de la figurine est de la même couleur. Évidemment, si vous tombez sur un personnage avec tout un tas de trucs partout, de couleurs et de machins différents, ça va être plus compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire d'un coup. Vous n'allez pas pouvoir tout colorer, en tout cas. Est-ce que c'est nettoyage complet à chaque fois? Non, David. Là, par exemple, tu vois, j'ai pas besoin de nettoyer. Pour moi, tu vois, j'ai pu faire ça après une sous-couche. Ça veut dire que mon aéro est bien. Tu vas voir, en fait, c'est dès que ça commence à faire des conneries, ton aéro il commence à souffler, à postillonner, tout ça. Là, tu sens qu'il faut nettoyer parce que bon, t'as des problèmes à l'usage. Si tu vois que tout va bien, tu continues, il n'y a pas de problème. Bonsoir à toi, Ripus. Eh ben, t'arrives pile au moment où on termine cette session aérographe. Il est 21h42, donc on a commencé à... Ça me perturbe. T'as commencé à 20h30, ça veut dire qu'il nous reste à peu près une heure. Donc franchement, on est très large. Je vais vous laisser décider, les gars. Est-ce que vous voulez directement que je continue la petite robe de la demoiselle, qu'on continue un petit peu les lumières et tout? Ou est-ce que vous voulez plutôt que je passe sur autre chose, comme son visage par exemple, le socle, ou les collants, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez, là dans le chat, et puis je fais ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème pour moi, je m'adapte, je suis tout terrain. J'ai juste rangé mes petites zoupettes là en attendant, mes petites peintures. Donc j'ai pas testé à la contraste, là j'ai utilisé de l'intensity, mais peut-être que la contraste, j'imagine, ça doit marcher aussi bien. Après l'intensity, ce qui est cool, c'est de pouvoir piqueter avec, je trouve ça pratique dans les héros.
C'est plutôt pas mal. Mais bon, après c'est pareil, vous pouvez utiliser des encres. Tout ce qui est très liquide, ça passe bien dans l'aérographe. Apparemment, même la peinture Army Painter passe très bien dedans. Donc, tu peux à moins de faire des trucs vachement sympas. Alors, donc, visage, robe, lumière, donc de la robe. Visage, robe. Pour l'instant, on a deux visages et on a une robe, deux robes, trois robes. Les sous-vêtements, ok, tu dégages. Pour l'instant, c'est la robe, les amis, apparemment. Ce qui va très bien. Ça va faire un gros paquet pour l'apéro du mondial. La contraste un peu visqueuse, contrairement aux Intensity. Oh, pas des masses, pour avoir vu un peu de contraste. Après, peut-être ça dépend les contrastes, mais j'ai pas senti une grande différence. Bon, les gars, vous avez l'air d'être partis pour la robe. Donc, on va partir sur la robe. Alors, je vais juste rapidement bouger la caméra. Donc, désolé pour le mal de tête, ou plutôt le mal de mer. Parce que je vais bouger la caméra. Et on va attaquer la petite robe. On va poursuivre. Bon, en gros, il y a deux gars ici qui regardent les yeux en premier, quatre qui regardent les fesses. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce public? Les gars, c'est Harry Potter, hein. C'est pas Jackie et Michel ici. Hein. Alors, donc la caméra, je vais essayer de la replacer pour que vous puissiez bien voir la palette. Alors là, pour l'instant, vous voyez par terre. Là, vous voyez rien du tout. Là, hop, on s'en approche. Je vais devoir changer, par contre, ma petite palette. Hein. Je m'en suis bien servi aujourd'hui. Donc, je vais juste... Bon, j'ai pas besoin de changer, je vais juste mettre ça de côté. Ah, au fait, mon petit Chucky, je t'ai pas dit, donc l'étiquette de la poste est toute prête. Le seul truc, c'est qu'il faut que j'y aille demain, parce qu'en en fait, ils ont suspendu le service de dépôt colis en boîte aux lettres. Ce qui est un peu dommage, parce que c'était mieux face au virus. Ah, il n'y a plus assez d'eau, je vais devoir changer ça. Donc ton colis est prêt, mon petit Tony partira demain. Donc j'arrive, je vais préparer ça. Bon, c'est bien, hein, vous avez le sens de l'humour, ça c'est cool. Des fois, je regarde des streams de peinture, c'est extrêmement sérieux. Ils ont les sourcils froncés pendant toute la session. Je trouve ça, je suis admiratif. Moi, j'ai du mal à garder mon sérieux plus de 5 minutes. Alors, donc, caméra palette, je vais régler la caméra palette, histoire que ce soit mieux. Donc, on va dézoomer un peu. Pourquoi ça dézoome pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, ça y est. Ok, ça déconne un peu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, vous voyez, hein, c'est tout propre, mon atelier. C'est magnifique. Donc, panoramique. Hop, on va juste faire l'inclinaison. Un petit zoom. Voilà, là, on est bien. C'est magnifique. La magie du spectacle. Steven Spielberg peut aller se rhabiller. Je vais relever un poil la caméra. Là, je vais utiliser la poignée parce que ce sera mieux. Vous pourrez voir d'un petit peu plus près, je pense. Alors, là, on va devoir faire de la logique, les amis. Donc, vous allez me dire, on va éclaircir avec quoi? Parce que là, maintenant, on ne sait pas trop. Donc, en fait, on va juste décomposer un petit peu...
Il est pour la transparence des vêtements, non mais. C'est une vidéo tout public. Alors, ils m'ont demandé YouTube si c'était conçu pour les enfants. J'ai dit non, mais j'ai quand même pas dit que c'était une vidéo 18+, hein, donc on va se calmer. Tu es sur quoi en peinture, Girio? Bah, là oui, Antoine, je termine les Eldar, et puis après, bah, il me reste une commande d'un ancien client, et puis après, bah, malheureusement, j'ai plus rien. Donc j'espère que les commandes vont reprendre là. J'ai un petit peu relancé des clients par-ci par-là, voir si c'est le moment pour eux. J'espère que ça va pas trop tarder quand même, hein, parce que là, j'ai pas eu trop de demandes de devis depuis un moment. Bon, je sais que ça arrive, hein, mais bon, moi j'aime bien quand même rester au boulot. Je suis plus serein quand je travaille. Donc voilà, on va essayer de voir si ça reprend. Donc ouais, je disais, on va redécomposer ce qu'on a utilisé pour comprendre avec quoi on va éclaircir. On a utilisé un peu de bleu sur le fond des ombres. On a utilisé un petit peu de jaune, mais pas beaucoup, sur le haut. Et puis pas mal de blanc forcément, puisque là il y a la couche d'en dessous. Donc pour pouvoir éclaircir, ça va être un mélange de blanc, de jaune et forcément la dernière de bleu. Alors pas forcément beaucoup de bleu. D'ailleurs il est où? Il est là. Mais on va quand même en mettre dans la palette, histoire de, au cas où, si je vois que c'est trop jaune, trop pas bleu, trop machin, et ben au moins j'en aurai. Ok, donc. Éclaircissement de la couleur, cher. Ah, presque, presque. Ça aurait pu. Si vraiment on n'avait pas le temps, j'utilise ça. Voilà. Hop, ça c'est fait. On a tout prêt. Donc, on va commencer par prendre notre blanc, ajouter un petit peu de jaune dedans, et éventuellement une pointe, mais une micro-pointe de bleu, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu jaune quand même cette histoire, un petit peu trop jaune. On va rajouter un petit peu de bleu. Ah, c'est pas mal, ça m'a l'air pas mal. On va approcher ça de la figue. Oh, ça a l'air clair, mais ça n'a pas l'air d'être non plus complètement blanc. Donc je vais commencer avec ça. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, alors là, c'est pour du lining, donc ça va. C'est un poil trop clair pour moi, là, pour travailler les autres lumières. Donc, je vais rajouter du bleu. Là, c'est un poil trop foncé. Donc, je cherche. Voilà, je cherche. Là, ça m'a l'air pas mal. Sur mon doigt, en tout cas, ça l'est. Ouh, ça m'a l'air assez clair. Ça m'a l'air assez clair, mais bon. Ça manque un petit peu de peps, c'est encore trop blanc. Bon, je vais rajouter un petit peu de jaune dedans. Encore un peu de bleu, et je continue de chercher comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous prendre autant la tête, les gars. Bon, là, c'est pas mal, là, ça me va, c'est cool. Si jamais vous voulez éclaircir, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une teinte parfaite. Moi, je suis assez chiant là-dessus. J'aime bien quand même que ce soit bien, bien ce que je veux. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller chercher quelque chose d'aussi pointu. Hein, d'accord? Du moment que vous avez vos couleurs qui sont à nouveau présentes, ça va être relativement cohérent. Donc voilà, j'attaque avec ça. Alors, est-ce qu'il a bien fait le point par contre le monsieur? J'avance un petit peu. Hop. Non, là il n'y arrive pas. Si je vise le socle, oui, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Ok. Donc, je vais commencer à reprendre un petit peu mes lumières parce que c'est très pastel. Donc, je viens juste par-dessus mes lumières, tout bêtement. Donc je suis un petit peu mon schéma, hein, c'est-à-dire qui s'est développé avec l'aérographe. J'ai pas besoin d'insister beaucoup plus. Je reprends juste ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, l'aérographe, il laisse des traces assez pastel sur mes lumières, c'est-à-dire encore beaucoup de blanc. Donc je viens un petit peu gommer cet effet en fait avec ça. Un bon brossage à sec des familles. Exactement. Exactement, Charlie. C'est le meilleur. Donc là, vous voyez, je reprends un petit peu les plis aussi par ici. Donc mon pinceau est vraiment pourri, mais ça suffira pour faire ce que j'ai à faire. Peut-être qu'un pinceau un petit peu plus de qualité, vous facilitera le travail, évidemment.
Donc là, évidemment, son épaule, je la couvre pas mal parce qu'elle est censée prendre beaucoup la lumière. Là, je reprends, vous voyez, les plis tranquillement. Alors, pour moi, pas de risque de chercher des heures, la teinte parfaite, il faudrait déjà que j'ai une idée d'à quoi elle ressemblait. Ben, de toute façon, tu as ta figurine à côté. Donc, tu peux très bien appliquer un petit peu sur ta figurine pour voir si c'est une teinte qui s'intègre bien ou pas. C'est ce que j'ai fait, moi. Tu vois, je la trouve pas comme ça dès le premier coup. Parce qu'il y a un petit côté aléatoire aussi dans l'aéro, ce qui rend la chose pas facile. Mais c'est aussi pour ça que voilà, on a un gros avantage quand on mélange beaucoup les peintures, parce que bah, quand on doit justement faire ce genre de travaux, on est bien content d'avoir l'habitude de, bah, de mélanger les trucs ensemble, quoi, tout simplement. Ouais, je reprends le haut de son chapeau, tranquillou. Voilà. Un petit peu reprendre ici le haut parce que forcément normalement il y a un petit peu de volume par ici. Donc là j'essuie mon pinceau et avec un pinceau sec je viens estomper le bord histoire de faire mon petit dégradé à sec sur le bonhomme. Ici c'est pareil, il y a les plis. Oula, j'ai un petit peu dérapé, bon, c'est pas très grave. Je reprends un petit peu le bas de sa robe ici, histoire de bien définir les choses. Histoire qu'on ait bien les limites. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Alors, donc ça c'est, on va dire, le premier éclaircissement. On va en faire un petit dernier. On va ajouter un poil de blanc et de jaune dans mon mélange, donc histoire que ce soit un petit peu plus clair. Encore. Et là, donc on va reprendre vraiment les petites dernières choses. Alors moi, je mets un truc plus clair. Ensuite, je prends une photo, je l'envoie à Girio et puis il me dit quoi changer. Vachement plus facile que chercher des heures. Ça peut marcher. Mais alors là, faut vraiment le soudoyer, le Girio. Parce qu'il y a des moments, bizarrement, il est pas. Tu vois, il répond pas trop. Le mec, il fait genre, il est pas là. Et du coup, ça marche pas toujours. Donc là, je reprends avec des lumières un poil plus fortes, vraiment les zones limites. Vous voyez le haut des épaules. Donc vers l'intérieur, histoire d'ajouter un petit peu plus de direction vers son visage. Donc là, je vais vraiment caricaturellement encadrer son visage parce que il est sous un chapeau. Donc il faut vraiment pousser la lumière vers son visage pour dire non, non, mais ok, il y a peut-être un chapeau, mais en dessous, il y a un truc. Donc il faut vraiment essayer de forcer les choses un petit peu plus que d'habitude. C'est des petites notions de mise en scène, hein, un peu légères, mais qui permettent toujours de, bah, de renforcer un petit peu le boulot pour que ce soit plus sympa. Alors là, ça a basculé sur la BO du Hobbit que j'aime beaucoup aussi, notamment une chanson qui s'appelle Feast of Starlight et que je trouve vraiment magnifique. Donc là, on vient rehausser un petit peu le haut de sa poitrine. On peut mettre encore de légers éclats ici, mais vraiment au centre, vous voyez, de la lumière. Il manque un petit peu ici, là, je dirais. Vous voyez, il y a sa bande, là, ici, de tissu. Je vais un petit peu éclairer le haut. Elle manquait un petit peu de peps, cette bande. Ici aussi, il y a un pli, là. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok. On reprend donc là le haut de son épaule. Il
Voilà, évidemment, le haut de son chapeau. Encore un petit peu ici, là, légèrement. Donc vous voyez, c'est des micro-touches, mais c'est justement le but, c'est d'attirer un petit peu plus vers le haut du personnage, et puis surtout vers son visage, parce que là, il est pimpant pour l'instant, mais il faut s'imaginer qu'on va y passer un petit peu plus de temps, et qu'on a envie que les gens s'intéressent à son visage, histoire de voir c'est qui, vers où elle regarde. Enfin, c'est moi souvent, là, le visage, de toute façon, c'est super important. Donc, j'hésite pas à vraiment forcer un petit peu plus sur le visage. Voilà, je me dis que c'est encore un poil vert. Il faudrait peut-être que je repasse un léger voile bleu parce qu'à mesure que je rajoute des lumières jaunes, ça verdit pas mal la figurine. Bon, je le ferai plus tard. C'est pas très important. Pas très très important. Je regarde un petit peu la photo d'origine là, voir si. Wow, c'est pas forcément beaucoup plus travaillé que ça. Je vais juste alors ça va être un peu compliqué peut-être de le faire en caméra. Je vais faire le cerclage de son chapeau ici là. Ça va, vous voyez un petit peu, ouais. Vous voyez un petit peu. Vous voyez, c'est ça que je veux faire. En plus avec mon pinceau pourri, c'est pas évident. La peinture est très liquide en plus. Faut que je refasse du mélange. Parce qu'à force de tirer les pigments avec de l'eau qui s'ajoute et tout, ça, forcément la peinture se distend et au bout d'un moment il reste plus beaucoup de pigments, il reste que de l'eau. Et du coup ça marque rien, ça s'étale mal et tout. Donc vaut mieux refaire son mélange. Alors, je parle pas trop pour pas trop bouger. Ok, c'est beaucoup mieux comme ceci. C'est beaucoup mieux. Donc là, on a le petit cerclage en fait en haut de son chapeau, qui permet de mieux comprendre la forme, hein, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, ça a été rapide. C'est juste une petite augmentation de lumière, dans l'idée de pouf, faire monter le regard, et puis un petit peu mieux définir le truc. Je vais peut-être reprendre un tout petit peu ses manches. Elle tire pas un peu sur le mauve gris. Surtout chez les modèles, ils font du super taf niveau finesse sur les visages. Alors le mauve gris. Écoute, moi c'est pas l'impression que j'ai. Moi j'ai l'impression d'avoir un truc assez bleuté. Après, ah oui, tu parles peut-être de la, comment dire, du film. Le film, ouais, effectivement, elle est assez différente. Là, moi, je me suis inspiré de ce qu'a fait le box art, hein, comment est fait le box art. Je trouvais ça vraiment sympa, parce que si tu utilises des couleurs un peu tristes, sur la table, c'est un peu moins joli, un peu moins sexy. Là, faut s'imaginer qu'on est en pleine lumière, pleine exposition et tout. La personne, quand elle va jouer, ça va être en, voilà, sur une table assez austère et tout, donc ça va pas mal redescendre. Donc je trouve ça assez cool de faire péter un peu plus les couleurs. Mais tu as tout à fait raison, dans le film, elle est carrément plus austère. Voilà les gars, pour ce qui est du tissu, ça a été encore plus vite que ce que je pensais. Tu parles effectivement du film. Bah, tu as tout à fait raison, Antoine. Dans le film, elle est carrément plus austère. Là, nous, on en a vraiment fait péter comme sur le box art. Salut Rémi.
Alors là, j'ai une demi-heure. Je vais pas avoir le temps clairement de faire le visage, on va le garder hein, pour une autre fois. Je vais peut-être juste baser le socle, je vais regarder comment il est fait sur le site de Night Model ou de Légion, je crois que c'est Légion Distribution qui fait ça. Oui, tout à fait, c'est Légion, je suis un peu neuneux. Légion Distribution. Je vais taper Légion Harry Potter, je pense que je vais tomber dessus. Harry Potter. Oh, je vais t'appeler Harry Potter miniature et puis ça ira. Ce sera plus facile. Ils ont plutôt des bonnes idées de socle et de peinture en général pour leur box art. Donc, fleur de la cour. Voilà. Là, on va tomber dessus. Ah ben on voit pas du tout le socle. Bon, bah écoutez, on va faire ça en feeling. On va faire un truc au feeling. Boum. Visage en une demi-heure, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué en une demi-heure. Et je préfère attendre Christophe d'avoir le câble pour la caméra. Parce que j'ai bon espoir que la caméra soit de meilleure qualité. Et si c'est le cas, bah, vous pourrez mieux voir en fait. Vous pourrez mieux voir le travail du visage. Là, vous voyez, on voit un petit peu, mais c'est pas de qualité encore top top. Donc, je préfère attendre carrément la caméra si ça vous gêne pas trop. Night Model, mais Légion Distribution qui traduit et distribue pour les francophones. Ouais, c'est juste que je sais plus comment j'étais tombé sur le box art. Donc, on va faire un truc à la Poudlard pour le socle. Je vais commencer par une belle dose de marron. Donc là, c'est un marron, je crois, à chocolat. Ouais, c'est ça, marron chocolat. Je vais commencer par ça. Je veux un socle assez chaud parce que Poudlard, c'est un peu crème dans mon souvenir. C'est assez crème, assez tranquille, assez chaleureux. Donc, on va faire un truc un peu chaleureux pour rester raccord. Donc là, simplement, on va baser hein, cette histoire. On va baser avec la même couleur, c'est collant. Socle, c'est effet pavé gris. Ah, bah moi j'ai pas envie d'avoir du gris. J'ai envie d'avoir du chocolat. Je suis parti. À chaque fois que je me rappelle de Poudlard, c'était vraiment des murs assez chaleureux et j'aime bien cette idée-là. Bon, peut-être que j'ai des souvenirs de tout pourri, hein, mais je ne crois pas. Après, ça dépend les films, parce que quand tu regardes, plus les films avancent, plus la photo elle est grisâtre, elle est tristoune, ce qui est normal parce que ça devient de plus en plus sombre Harry Potter à mesure que ça avance. Puis ça devient plus mature, donc jusqu'aux derniers épisodes où effectivement Poudlard est totalement gris, mais bon c'est normal, c'est la Hesse comme on dit, c'est tout pourri, c'est la merde. Mais moi j'aime surtout le côté très chaleureux de Poudlard, c'est très sympatoche. Donc on va commencer par un socle très chaleureux. Au pire des cas, celui qui gagne la figurine, il aura qu'à changer. Si ça, il veut un truc un peu plus gris, le socle, c'est pas trop compliqué à faire. Il aura juste à refaire le socle. Alors, oh, ma musique s'est mise en pause. Yes. Alors pour avoir un effet collant, il n'y a pas forcément besoin de faire une texture particulière. Hein. C'est surtout une lumière de chair un peu plus foncée, désaturée. C'est pour ça que je pars sur cette base-là. Ça sera pas mal.
Yes, ça c'est bon, c'est fait. Je vais attendre que ça sèche. En attendant, les amis, comme d'hab, hein, si vous avez des petites questions. Alors, je suis obligé de mettre ma main vraiment parce que sinon la lumière est un petit peu bizarre. Ouais, si vous avez des petites questions, des petits trucs qui vous paraissent pas clairs ou qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec ce qu'on est en train de faire sur la peinture, sur ce que j'ai mangé ce midi, n'hésitez pas. Il y a la boîte de la figurine. Donc bon, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est Arnaud qui m'a offert ça. Arnaud qui était dans le chat, hein, qui est toujours dans le chat avec nous. Donc Arnaud qui, à la fin, donc on fera un petit quiz, comme la dernière fois, c'était vachement rigolo pour vous faire gagner la figurine. Et Arnaud participera avec nous, évidemment. Il sera avec moi pour faire un petit peu l'acolyte, le Robin. Alors non, Tony, c'est pas la nouvelle caméra, c'est toujours le téléphone, parce que comme je l'ai dit alors t'étais sûrement pas là, je l'ai dit au début, c'est que j'ai reçu la carte SD, d'ailleurs je l'ai reçue dimanche, mais je pensais recevoir le câble USB pour connecter l'appareil photo avec la carte, mais c'est pas le cas, c'est dans un autre colis que je devrais recevoir, je pense, cette semaine. Donc probablement que vendredi prochain je l'aurai. Le gars, il est tellement précis dans la prépa de sa figue, il sait si c'est des collants ou des bas, c'est pro ça. Eh ouais, mais parce que j'ai pris le temps de regarder, tu vois, les jambes avec grand intérêt. Du coup, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Je m'en souviens même plus. Ah si, j'ai mangé un tortilla avec des boulettes de viande, c'était pas ouf. Grave et ce soir, quoi Antoine? Pourquoi tu fais les gambettes à la même couleur que le socle? Parce qu'en fait, si tu veux, les gambettes, c'est des collants. Donc du coup, en fait, ça va être de la peau, mais relativement sombre. Donc du coup, je peux me permettre de baser avec cette couleur-là. Et le socle, c'est juste sa base. Donc en fait, vu qu'on va faire un traitement de lumière différent, on va bien voir que c'est deux objets différents. C'est juste la même couleur de base qui peut servir. Je suis là pour t'ennuyer. Ben ouais, mais tu m'ennuies tellement. Le mec, il dit, il est là pour m'ennuyer, il va quand même offrir une figurine. Hein. Et il vous offre une figurine. Je suis Robin, tout à fait. Tout à fait. Pour en revenir à l'aéro, à quel genre de peinture tu déconseillerais? Alors là, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec de la peinture aérographe, David. Ah, le repas du soir. Oui, pardon. Le repas du soir, j'ai mangé l'autre morceau de tortillas qui restait avec avec du poisson et une poêlée de légumes. Et c'était un peu meilleur parce qu'il y avait moins de tortillas. Je suis Robin. Oui, tout à fait. Tu es Robin. Et moi, je suis Batman. Ah, j'ai le t-shirt Batman en plus. De temps en temps, je le mets quand je fais le live. Et on espère que tu auras la vraie tenue moulante de... Alors moi je préférais, Christophe, pour être accord avec le thème, qu'il soit habillé en Hermione Granger. Et si c'est le cas, je m'habillerai en Harry Potter. Moi je dis, le rendez-vous est pris. Arnaud, seras-tu habillé en Hermione Granger? Fait, je serais un peu dans la chouine parce qu'il faudrait que je me fabrique une paire de lunettes parce que j'en ai pas. On porte pas de lunettes à la maison, donc du coup je sais pas comment qu'on ferait. Je cherche une peinture, je vois pas trop ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est celle-là? Non, pas du tout. Avec les lumières là, de cette façon, je vois plus ce qu'il y a dans mon... Bon, on va utiliser ça, ça sent très bien. On va mélanger des trucs. Alors, sinon, sur un autre... Merci Arnaud. Bah oui, c'est gentil de dire merci. Merci Arnaud pour ce précieux cadeau.
Alors, sinon, sur un autre sujet, il y a l'air d'avoir de belles figous dans le nouveau KS de Mythic Games. C'est vrai qu'il y a des super, super figues, comme d'habitude. Moi, j'ai le collant, ça tombe bien. Ah, bah, nickel! Et tu es plutôt slip ou caleçon? Chiche, oui, je serai maquillé aussi. Ah, mais si t'es chaud, Arnaud, si tu me dis, tu viens à Hermione, moi, je. Voilà, banco, je m'engage, je me déguise aussi. Pas de problème. Donc là, j'ai utilisé un espèce de jaune et que je mélange avec mon marron pour commencer à éclaircir mes dalles. Plus personne ne va t'offrir de fixe, tu continues comme ça. Écoute, bon, tant pis. Au moins, ça aurait été court mais intense, comme on dit. Donc là, je commence à éclaircir mes dalles avec ce fameux mélange, un peu crème. Je sais pas quoi dire de plus que crème. Je sais pas où je vais avec ça, mais c'est crème. Donc voilà, j'éclaircis avec. J'essaie de tête de me rappeler un petit peu de ce que j'avais vu dans les films, ce qui me plaisait. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas très grave. Bon, après, elles sont peintes par Seb Lavigne, ça donne toujours envie. Ah bah ouais, il peint tellement bien Sébastien, c'est. C'est lui qui m'a donné envie comment dire, pour Super Fantasy Bros. Je lui avais même demandé de me ramener une petite figurine dans une convention, mais malheureusement il était malade cette fois-ci, il avait pas pu me ramener ça. Mais ouais, je lui avais dit que c'est vraiment, il fait toujours du super taf, c'est toujours très propre ce qu'il fait. C'est un monsieur très technique. C'est vraiment cool. Hein. J'aime beaucoup moi ce qu'il fait Sébastien. J'ai pas eu l'occasion de le voir souvent d'ailleurs. Un de ces quatre, j'espère qu'on se croisera. Je crois qu'on doit. Je sais plus s'il devait être là au French War Game Studio. Au French War Game Day, pardon. Ça aurait été cool. Ah, je les éclaircis hors champ, pardon. Un peu plus haut. Autant pour moi. Excusez-moi, je suis tout perturbé par l'idée de Arnaud habillé en Hermione Granger, ça m'émoustille. Alors, tac. Donc vous voyez, je prends juste le haut des pavés en fait, hein, tout simplement. T'es un peu dans la merde pour le déguisement. Ah, c'est pas grave, tu sais. Justement, plus ça l'arrache, je pense que plus ils vont se marrer de nous voir déguisés comme des baladins, ça va être marrant, je pense. Puis ça nous mettra dans l'ambiance, voilà. Alors j'aurais bien aimé rajouter des petits effets spéciaux sur la vidéo avec des trucs un peu pour rappeler Harry Potter, mais bon, j'ai pas juste une quiche hein, là-dedans. J'essaie déjà d'apprendre à faire un stream correct. Ces trucs-là, peut-être plus tard si jamais j'ai le temps et puis que ça m'amuse. Mais là, pour l'instant, je suis trop un noob en streaming pour faire des trucs pareils. Je suis pas encore au niveau de Michael Bay. Mais ça viendra, je vous promets. On va s'en sortir. Ah bah ça fait marrer ma copine, dis donc. Hop. Donc voilà, première petite couche, tranquillement. Eh mais Christophe, il est en forme ce soir. Je sais pas si c'est le déconfinement, mais ça a l'air de. Ça a l'air d'aller. Bon, faut que je t'envoie une figurine de Pirates des Caraïbes, alors j'ai déjà le déguisement. Allez, bien celle-là. Ah, je sais pas, je pourrais me déguiser en squelette éventuellement. Donc vous voyez, c'est une première base, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, n'est-ce pas? Donc on va éclaircir petit à petit avec des ajouts de blanc et puis de jaune. Donc là, je vais déjà le faire. Donc j'ajoute mon blanc et mon jaune.
Donc ce que je vais faire, c'est me concentrer un peu plus sur l'extérieur des petites dalles. Putain, faut que je change de pinceau, hein. Il commence vraiment à être pourri celui-là. Il arrive vraiment en fin de vie. Vous voyez, ouais, vous voyez. Regardez-moi, regardez-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Donc là, je fais des petites accroches pour commencer à éclaircir les dalles, mais de façon un petit peu plus naturelle que juste un dégradé, tout ce qu'il y a de plus basique, n'est-ce point? Donc pouf. C'est marrant parce que quand je refais des techniques comme ça, souvent je repense au dernier film que j'écoutais ou que je regardais en même temps que je peignais. Et là, c'est Le Silence des Agneaux. Donc je suis en train de repenser à Alice Starling et à Hannibal Lecter. Ce qui n'est pas tout à fait dans le thème, mais bon. Comment il sait que je suis un sanglier? Parce que c'est par Osiris et par Apis que je le sais. Je suis impressionné car même avec ton pinceau défoncé, tu restes super précis. Ah bah c'est l'habitude. C'est l'habitude. Avec l'expérience, tu arrives à faire des trucs assez cool. Voilà, donc c'est la partie un peu longue, c'est vrai, mais bon, c'est pas. Moi, ça me détend de faire des trucs comme ça, c'est un peu zen. Il n'y a pas spécialement d'enjeu. Si vous faites un trait un peu trop gros, quoi, c'est pas grave, c'est pas la misère, vous voyez, c'est. Moi, j'aime bien faire ça. C'est des trucs qui me plaisent, ça me détend, ça me purifie, ça me fait du bien, c'est important. Bon, je vous sors plein de références de films. Qui sont pas toujours très glorieuses, mais ça me vient comme ça. Alors, s'il y a des pavés un peu irréguliers, c'est pas la figue qui est un petit peu machin, c'est moi parce que j'ai fait de la green stuff et comme vous le savez, je suis très 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 mauvais en green stuff, donc mes pavés sont pas clairement pas ouf, hein, mais bon, au moins ça se voit plus qu'il y avait un trou au milieu du socle. Tout à fait, référence à Astérix et Obélix, hein, exactement. Le meilleur, les 12 travaux. Le pinceau, ça fait pas tout. Michael Jordan en string, il te dunk sur la tête quand même. Je m'étais jamais. Franchement, Christophe, je m'étais jamais imaginé Michael Jordan en string. Je te remercie. C'est une expérience que j'avais jamais faite jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors, j'essaie de tourner dans le bon sens pour pas trop être gêné par la figurine ou par autre chose. Je n'ai aucun doute, Christophe. Pavé irrégulier, c'est plus réaliste. Tout à fait, Romain, c'était voulu, mais pavé pourri. C'était une technique pour que ce soit plus réaliste. Non, mais tu as raison, hein. Je dis ça pour rigoler, mais tu as totalement raison. Les pavés un peu trop droits, trop machin, c'est pas ce qu'il y a de plus. Ce qui est pas ce qu'il y a de plus recommandé. Donc, vous voyez, j'essaie quand même de concentrer cette espèce de petite texture vers l'extérieur du pavé, quand même, un peu plus. Alors, après, on fera des petits lavis pour rendre le truc un peu plus discret, un petit peu moins voyant, criard.
Mais j'essaie déjà avec la texture, de créer un petit peu plus de lumière vers le tour du pavé, puisque normalement le pavé prend des éclats plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi non plus jusqu'à ce soir. Cylindrix le Germain. Ah ouais, ça c'est un. Fou, ça fait gagner, monsieur. Alors, il y a deux moments que j'adore particulièrement dans les 12 travaux. C'est quand il croise les fantômes, là, dans les 12 travaux. Ça me fait mourir de rire. Et l'autre truc, c'est quand ils sont dans la maison qui rend fou, là. Alors ça, c'est vraiment. C'est aussi terrible, quoi. Je sais pas comment ils ont fait pour doubler les scènes du film, parce que ils devaient tellement se marrer à chaque fois. C'est comme Kaamelott, des fois, je me demande comment les mecs, ils ont réussi à faire les prises. Il y a des trucs, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, tu peux pas ne pas rigoler. C'est ça, vous m'avez vaincu, monsieur. Fou, fou, ça fait gagner. Ouais, allez, on y est presque, on a presque fini notre petite texture. Alors, c'est vrai que c'est le. C'est des trucs, des fois, j'hésite à faire en string. En string, d'accord. Tu m'as perturbé, Christophe. Tu m'as vicié. En stream, parce que je me dis que c'est un peu chiant à voir, peut-être. Un petit peu rébarbatif, un peu chiant, mais bon. Au moins vous voyez tous les secrets de tournage. Voilà, donc ça c'était la première partie de notre. Oh, il nous reste à peine 5 minutes, hein, donc on continuera cette partie de socle un petit peu plus tard. Vous voyez pour l'instant ce que ça donne. Donc voilà, on aura fait ça en 2 heures de temps, bon, un petit peu moins parce qu'on a quand même pris notre temps à démonter l'aérographe, tout ça. Mais. Donc vous voyez, ça va très vite, hein. L'aérographe, c'est quand même assez pratique pour ça. Je vais rester évidemment avec vous jusqu'au bout pour voir si vous avez des petites questions, des petites remarques. Laissez passer A38. Ben la prise, tu vois que c'est parfois la 50e. Ben ça m'étonne pas, Christophe, parce que ça doit vraiment être dur, quoi. La maison qui rend fou, c'est la bureaucratie actuelle. Ah, c'est plutôt cool, il y a des moments. Quand il arrive devant les deux guichetières, là, qu'elles sont en train de discuter, là. Ah, c'est un film vraiment cool. Puis les doubleurs, le doubleur d'Astérix, il était vraiment trop stylé. Ils avaient des voix, les mecs, c'était vraiment excellent. Il y avait Pierre Tchernia qui faisait le doublage à l'intro du film. Je connais plus les noms des acteurs qui ont doublé Astérix, mais le mec qui doublait Astérix, c'était vraiment un génie, ce gars-là, du doublage. Il était super fort. Tout le monde en stream, calme-toi Arnaud. On verra ça quand tu seras en Hermione Granger. Ah. Je tente de reposer ma question, elle est passée à l'as. Eh ben, désolé Ripus, effectivement, j'ai pas dû la voir. Du coup, j'ai cru comprendre que pour nettoyer ou diluer la peinture dans ton aéro, tu utilises la même chose. Et du coup, c'est quoi la référence? C'est tout à fait la même chose. Pour être tout à fait honnête, j'utilise ça. Alors j'en ai parlé plus tôt dans le stream. J'utilise ça, c'est du nettoyant de Prince Auguste, mais ça peut être Valero, je ne suis pas raciste. J'utilise même ça parfois. Tu vois, là c'est du Green Stuff World. En fait c'est du cleaner, parce qu'en fait tout simplement le cleaner ça coûte moins cher que le diluant. Et moi je n'ai pas vu la différence entre les deux, les deux marchent très bien, donc autant utiliser ce qui coûte le moins cher. Hein. Alors, Roger Carrel, merci Rémi. Hermès le Perse, un grand doubleur. Ah ouais, j'adorais ce gars-là.
Merci encore une fois pour un stream génial où il y a de la peinture et des conseils top, des rêves pop culture au poil et de l'humour. Merci Jiri aux autres. Eh ben merci à toi Christophe, moi je m'éclate beaucoup à faire ça, donc c'est un vrai plaisir. C'est Karen qui doublait. Ouais, tout à fait, c'est Ripus. Du coup, Ripus, tu gagnes la fille. Non, je rigole. Il a une immense carrière. Exact, Roger Carrel, un monstre. Donc, bah les gars, avant que ça se termine, je vais refaire mon YouTuber. Si vous avez kiffé, si vous avez passé un bon moment, eh ben, n'hésitez pas à partager tout ça sur vos réseaux sociaux parce que bah, on est de plus en plus nombreux et c'est cool de voir des nouvelles têtes se joindre à nous, discuter dans le chat et tout. Donc, j'ai vu qu'il y en a certains d'entre vous qui ont partagé. Et oui, je vous ai vu, bande de petits canailloux, donc un grand merci à vous. Vous pouvez mettre un petit like dans la barre si vous voulez faire monter le référencement de la vidéo. Et puis, évidemment, si vous voulez me soutenir, vous avez le Tipeee dans la description si vous voulez me laisser un petit pourboire ou si vous voulez vous inscrire pour du coaching de peinture. Donc voilà, maintenant ça c'est fait. Je n'ai plus qu'à me reposer et à lire le chat avec un grand plaisir. Il faisait la voix de C3PO et de Alf aussi. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, il a doublé un nombre de trucs incroyables. Mais souvent, je sais pas si vous... Moi, il y a plein de gens qui aiment pas la VF, ils me disent « Ouais, faut regarder les trucs en VO ». Mais moi, je trouve ça dommage parce qu'en France, ils sont tellement balèzes pour le doublage. Alors, c'est vrai que c'est bien de regarder en VO et en VF, parce qu'en VO, tu as des références culturelles que t'as pas. Puis des fois, les traductions, bon, ils font ce qu'ils peuvent, les mecs. Hein. Genre, tout à l'heure, je regardais encore, j'adore la trilogie Cornetto, je regardais le dernier bar avant la fin du monde. Bon, déjà, le titre, il est pourri, c'est pas du tout ça. Et en plus, à un moment, le mec, dans le film, normalement, il dit WTF pour What the Fuck. Et en fait, dans le film, ils l'ont traduit en français par PDM, PTM, je crois, putain de merde, un truc comme ça, je sais plus. Non, PDM du coup. Et c'est vrai que ça marche moins bien. Donc je comprends que les gens ont envie de regarder en VO, mais des fois, il y a des gens, ils sont là, ils te disent, ouais, la VF, c'est nul et tout. Pourtant, des fois, il y a des films, ils sont carrément mieux en VF qu'en VO, quoi. Parce que les acteurs qu'on a qui doublent en VF, ils sont, c'est des oufs, hein. Il y en a, ils sont vraiment super forts. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, si vous kiffez juste la VO, mais moi, j'aime beaucoup la VF, hein. Richard Darbois, ouais. Bah, il est connu, je crois, surtout pour la voix d'énergie, un truc comme ça. C'est le moment nostalgie. C'est le moment nostalgie. Alf, le retour. Merci à Fleur pour sa gentillesse. Ouais, très, très gentille. Elle a tenu la pause pendant toute la session. Incroyable souplesse. Alors à la base, Arnaud m'avait proposé plusieurs figurines, dont Dumbledore et tout ça, et en fait j'avais pas trop osé, j'avais préféré prendre une figurine simple, parce que je pensais qu'elles étaient beaucoup plus grandes que ça, puisque d'habitude l'échelle des figurines a vachement augmenté, là c'est du vrai 28. Mais il m'avait proposé tout un tas de trucs, avec Dumbledore, il y avait Harry sur Buck, le Phénix et tout, il avait vraiment Arnaud d'une très très généreuse monsieur. Eddie Murphy en VF, et ouais. Les doubleurs, par le passé, avaient plus de liberté. Oui et non, Rémi, parce que ça dépend ce que t'entends par liberté. Par exemple, moi, je me souviendrai toujours du doublage de Ken le Survivant. C'est justement parce qu'ils étaient un peu coincés, les mecs, et qu'ils n'avaient pas compris que c'était un dessin animé pour les adultes, qu'ils avaient fait des conneries avec le doublage, quoi. Je regarde les deux, les doublages sont parfois ratés, après ils sont parfois très bons. Alors, en plus, moi, j'adore les films où les doublages français sont mauvais. Sur tête à des nanars où les doublages, t'as l'impression que les acteurs ils ont perdu leur âme. Ça me fait vraiment rire quand des fois les doublages sont ratés aussi. Je trouve ça cool. Genre le film Troll 2, énorme le doublage. J'avais regardé ça suite à Cross avec Karim Debbache. Je sais pas si vous connaissez ça, les doublages étaient énormes. Mais honnêtement, j'aime beaucoup les VO pour certains acteurs et surtout pour les films anglais. Pour les ricains, c'est parfois incompréhensible. Ouais, non, mais je comprends qu'il y ait des gens qui regardent en VO, mais je comprends pas, par contre, le rejet de la VF, parce qu'il y a du boulot, puis c'est cool aussi, quoi. Buzz l'éclair, Biff Tatten, Harrison Ford, le génie d'Alan. Ah ouais, j'adore aussi le doubleur de Bruce Willis. Moi, j'adorais, c'était le doubleur officiel de Kurt Russell. Il est décédé il y a quelques années, maintenant,
Mais le doubleur de Kurt Russell, moi je m'en souviens surtout pour Gladiateur, il avait une voix ce mec, c'était un truc de ouf quand il se mettait à gueuler là dans le film pour donner les ordres, t'étais là genre, même si toi tu regardes la télé, tu t'obéis quand même. Tu sais le mec il va te dire chercher un café à la télé, t'allais chercher le café quoi. C'était impressionnant. Arnaud veut qu'on soit tous en string, Chucky veut se manger un chat, ça part en live. Ouais, je crois que c'est la nuit, ça vous réussit pas. Bon, allez les gars, moi je vais y aller, je vais vous laisser. Un gros merci encore une fois d'être si nombreux. Je n'ai pas regardé les chiffres, combien on était, je sais pas, on ça a dû baisser, là on n'est plus 19. On devait être probablement plus, mais vous êtes toujours là, vous êtes très assidus, donc je vous en remercie beaucoup parce que ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Puis merci à vous de, comme je l'avais dit, d'avoir partagé, hein, parce que c'est super cool pour moi, ça m'aide beaucoup. Gros 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 merci au Tipeee, hein, évidemment. J'essaie de vous mettre un petit peu de news sur le Tipeee. J'essaie de vous tenir un petit peu informé en avant-première, n'est-ce pas? Et puis bah, je vais évidemment vous mettre la photo de la demoiselle sur le Facebook, sur le Discord et tout ça. Donc voilà, gros gros merci les gars, gros bisous. Et puis bah, je vous dis à vendredi prochain en espérant que j'ai ce câble pour enfin teaser. Parce que je vais vous le montrer quand même l'appareil photo. Parce qu'il y en a peut-être qui vont commencer à se dire, je me fous de leur gueule, mais je vous jure, je l'ai, hein, j'ai l'appareil photo, il est là. C'est juste que j'ai pas le câble, c'est tout. Mais je vous jure que je l'ai. Voilà. Voilà les gars, à la prochaine et puis à vendredi, donc même heure, 20h30. Voilà, ciao ciao!